Wes Craven, creator of A Nightmare on Elm Street, comes a new dimension in terror. Miss me? The bad man's getting awful close. Wes Craven's new nightmare. The best horror film in years. The most twisted scare fest in ages. 4 stars, the New York Post. Wes Craven takes it to a new dimension, raves the New York Times. New Nightmare reunites the stars from the original, including Heather Langenkamp, John Saxon, Nick Corey, and Robert Englund. Wes Craven's New Nightmare. This time, staying awake won't save you. Meet your maker. Bruno, Bruno! Je l'avais pas vu, ce trailer-là. Non, c'est comme un recut ou un fanmate, ouais, quelque chose de même. Je me souviens, il l'appelait le Coolidge. C'est-tu lui, Coolidge? Non, il l'appelle juste le HD qui ont sorti en 2017. Ah, il y en a tellement des fans qui font des bons trailer concepts, là. Oui, c'est vrai. Hey, Bruno. Bonjour, Serge. Comment vas-tu? Ça va super bien. As-tu passé une terreur. Belle semaine? Terreur sur le pod. Oui, bien sûr. On m'offre nos entrées souvent. On va y arriver. comment ça va, Bruno? Ça va bien. Ben, bienvenue à Terreur sur le pod, puis bienvenue à... Wes Craven's New Nightmare. Et au Québec, comment ça s'appelle? Le cauchemar insolite de Wes Craven. Et en France? Freddy sort de la nuit. Freddy sort de la nuit. Hey! Ben, ça fait techniquement du sens avec le film, mais tu sais, le film, en tout cas, c'est le premier degré. Là. Moi, là, d'avoir annoncé ça, là, les griffes de la nuit 7, Freddy sort de la nuit, non, moi, je ne vais pas voir ça. Je refuse, moi, je ne vais pas voir ça. Elle prend pas aussi. Non, elle oublie ça. Je te dirais que Miko Hughes, je sais pas, peut-être t'étais pour en parler, mais sinon, moi, je te l'amène tout de suite, là. T'sais, ce jeune-là, pour ceux qui ne savent pas, là, Miko qui joue le rôle de Dylan dans le film qu'on va couvrir aujourd'hui, il jouait dans Pet Sematary, c'est lui qui faisait Gage. Et là, je me suis dit... Il était terrifiant comme ça aussi, là. Je le sais. Il est fait pour ce genre-là. Oui, mais quel genre de traumatisme qu'il doit avoir, cet enfant-là, aujourd'hui, tu sais. Écoute, je l'ai vu, moi, là. Il a de l'air vraiment normal, cool et très relax, puis... Vraiment cute aussi. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que, juste pour vous donner un peu d'informations, donc encore une fois, on va divulgâcher le film, donc on va vous gâcher ça bien solide aujourd'hui. Encore on va passer au travers au complet, dire toutes les punches. Donc, ça vous tente de regarder le film et ensuite de nous joindre, puis ensuite d'avoir votre opinion, comme vous voulez. Mais est-ce que tu veux que je donne un peu? Je peux donner le beat un peu de comment qu'on va décortiquer le film. Ben oui. Donc, Bruno va donner les stats. On va ensuite aller avec le pas à pas du film. Donc, on va vous donner vraiment le film selon ce qui. Comment que ça s'est déroulé. Puis à travers tout ça, ben, on va donner des fun facts, des anecdotes. Ouais, puis nos commentaires en même temps aussi, là, ce qu'on a pensé, puis tout ça. Là, ça finit toujours par dégénérer de toute façon. Oui. On vous le dit tout de suite, là, c'est sûr que ça va dégénérer. Mais c'est bien parfait comme ça, c'est bien le fun, on aime ça comme ça. À la fin, on va vous donner la morale. Morale que j'ai pas, je vais être honnête avec toi, là, j'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère, ça m'a popé, ça m'a popé hier quand je l'ai réécouté pour la deuxième fois. Donc, on va donner notre cote à la fin, on va donner aussi la morale de l'histoire. Puis on va vous donner peut-être des films similaires. Puis je te dis tout de suite, j'en ai pas trouvé. Il y en a, là. Moi non plus, je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé beaucoup. Ben, tu sais, des films similaires, c'est... Oh my God, c'est qu'il peut en avoir... Il n'y en a pas de film similaire à ça. Ça n'a jamais été refait. Et on va vous donner aussi notre coup de cœur et notre coup de couteau. Donc, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Alors, Bruno Mars, je te souhaite... Bruno Mars, I wish. Ouais, je te laisse le micro pour parler des stats du film. Oh. Donc, Wes Craven's New Nightmare, qui est techniquement A Nightmare on Elm Street 7. C'est un film américain, bien sûr, tourné en anglais, qui est sorti le 14 octobre 1994 avec un budget de 8 millions. Il a ramassé au box-office 19,8 millions, donc il a doublé son budget, ce qui, selon moi, c'est un succès en soi. Là. Je veux dire, je sais que les compagnies, eux autres, ils veulent tripler, quadrupler, puis tout ça, mais
Je m'excuse, si tu te rembourses puis que tu refais un profit dessus, on parle ici de quand même pratiquement 11 millions là, qui ont fait de profit, là. Je me plaignerais pas. Non, mais en même temps, ça c'est nous, mais je sais que les studios qui ont produit le film, je pense qu'ils s'attendaient à plus que ça, mais je pense que dans le temps où ça a été fait, puis on en reparlera tantôt qu'on va décrire là, le film, mais je pense que dans le temps que ça a été fait, le film comme tel, c'était un précurseur, puis on va faire des liens avec Scream, évidemment. Mm-hmm, c'était un précurseur. C'est une prélude à Scream, carrément. C'est une prélude carrément à Scream. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que je pense que les gens s'attendaient à plus un film, peut-être de conventionnel de Freddy. Il y a des gens qui n'ont pas trop aimé l'histoire du film dans un film, mais critiquement parlant, il a été vraiment bien reçu. Il était bien. Ben, tu sais, Roger Ebert, là, quelque chose de même, je sais pas ce qu'on sentait, c'est le monsieur avec la face qu'ils font. Oui, Roger Ebert. Ben, lui, il a trouvé bon le film, puis il a trouvé que c'était le meilleur de la série. Donc, c'est quand même... c'est vrai que c'est le meilleur de la série. Ben, selon moi aussi. Là. Donc, évidemment, ça a été réalisé par Wes Craven, produit par Marianne Maddalena, qui a aussi été productrice sur Scream 1, 2, 3, 4 et la série. Il a été écrit aussi par Wes Craven. Donc, il a scénarisé et réalisé le film avec Robert Englund, Heather Langenkamp, Michael Hughes et puis John Saxon. Le score a été fait par J. Peter Robinson. Puis, donc, ça a été édité par Patrick Lussier, qui était le même éditeur, justement, de Scream. Puis il est canadien, Patrick Lussier, il vient de Vancouver. Ah, je pensais qu'il venait de Maniwaki. Patrick Lussier? Je sais pas. Pourquoi qu'il viendrait de Maniwaki? Je sais pas, c'est le nom Lussier. C'est moi Lussier, ça fait comme... Ça fait Maniwaki. Quelque part au Québec, là... Je sais pas, Patrick Lussier, ça fait pas Vancouver pas en tout. ça a été distribué par New Line Cinema. Dans le fond, les mêmes que les six autres avant. Donc ça n'a pas changé. La gang de Robert Shea puis tout ça. Là. Ah, maudit Robert, oui. OK, toi non plus, tu l'aimes pas? Je l'aime pas pour différentes raisons. Je l'aime pas parce qu'il a shafté Wes Craven après le premier. Il était chanceux qu'il revienne, en tout cas. Ah, en tabarouette. Tu savais que notre ami Wes a failli revenir pour le troisième. Ben, il a écrit, je pense, le 3, ça se peut-tu? Non, il a écrit un scénario qui a certaines choses qui ont été prises, mais il n'est pas vraiment reconnu pour avoir écrit le scénario du troisième. Ah, ouais? Ouais. Pourtant, c'est comme un des plus populaires, là. Ouais, ben, je te regarde dans la liste, là, la plupart, il y en a qui vont dire... C'est soit l'original ou le troisième qu'ils préfèrent en premier. Entre le 3 et l'original, je te dirais l'original. Là. Mais c'est parce que dans celui-là, Freddy était épeurant. Tu sais, ça a commencé à déraper, selon moi, à partir du 3. Il y en a qui vont dire que c'est le 2, mais je parle que oui, il a fait des petites jokes dans le 2, mais dans le 3, c'est là que, pour moi, ça a commencé à slider à partir de là, du Freddy épeurant au Freddy comique. C'est normal, plus tu vas voir un vilain longtemps, tu vas finir par le prendre pour lui et avoir hâte qu'il tue du monde, ce qui est normal. Alors, Bruno, est-ce que tu avais d'autres stats à nous partager? J'ai pas plus de stats que ça, à part que c'est un concept que Wes Craven aurait voulu amener pour le 3, justement, mais que ça n'a pas passé. Puis là, ben, c'est revenu quand ils ont tué Freddy. Ben, Robert Shea, il a peut-être encore de l'argent à faire. Il me semble que Wes m'a dit qu'il avait comme une idée une idée grandiose. Puis c'est sûr que Wes, il a une idée grandiose parce que Wes, c'est un génie. Il y a personne qui m'a crissé à la chienne mieux que Wes Craven. Wes Craven, là, qui a vraiment pas de l'air de ça dans la vie, il a pas de l'air creep, puis pas pantoute, il a l'air d'un professeur d'université. Mais maudit ben, que ce gars-là... Je pense qu'initialement, au début de sa carrière, je pense que c'était ça. Puis ensuite, il a commencé à faire des films, mais c'est... Tu sais, faut s'entendre, là, pour ceux qui connaissent... Si vous connaissez Wes Craven, peut-être vous avez une idée qui c'est qui, mais Wes Craven, il a commencé dans les années 70, puis son premier gros film, c'était Last House on the Left. Ah, puis c'était quelque chose, ce film-là? Ouais, à l'époque, ça a fait scandale là, quand il a sorti ça. Pis... Encore aujourd'hui, je te dirais, là, c'est assez... Ouais. C'est que dans ces films-là, les vieux films, quand ça a commencé justement, puis c'était comme c'était quasiment found footage de ce temps-là, là, ils filmaient ça très de façon amateur. Ça, ouais. Oui, puis il y a quelque chose de dérangeant là-dedans. Oui, puis je pense que si je me souviens bien pour justement La Sauce on the Left, il me semble que lui... C'est-tu lui qui est influencé? J'ai tellement lu dernièrement sur plein de choses. Je me demande si c'est pas lui qui disait qu'il avait été influencé par Texas Chainsaw Massacre, mais peut-être que je me trompe. Mais bref, il a commencé dans cette époque-là, puis
Il était à l'école, il a travaillé longtemps avec, bon bout de temps avec Sean Cunningham. Tu sais, c'est lui qui a créé Friday the 13th, là. Ouais. C'est lui qui a publié l'annonce dans le journal avant que d'avoir un scénario, là. Ouais, avant le scénario de Victor Miller. Ah, là, il a été chanceux en tas, lui. Mais lui, tout ce qu'il voulait, c'est réserver le titre Friday the 13th pour dire, hey, c'est moi qui l'ai, pour avoir fait quelque chose avec. Encore là, surfer sur Halloween. Mais c'est ça. Bref. Ouais, tout part de là. Tout part de là. Puis, pour venir à Wes Craven, donc Rest in Peace, c'est Wes Craven. Si tu veux, moi, je peux donner un petit peu le mini-résumé. Il parle vraiment d'un méta-slasher américain. Mm-hmm. C'est le premier qu'on a eu, je pense. Je pense, à mon avis, là, si quelqu'un sait qu'il y en a eu d'autres avant, vous nous le direz, mais il appelle ça un méta-slasher, qui dit que ça fait pas partie de la même continuité que les films précédents. Donc, ça suive. Tu sais, il y a eu jusqu'au sixième qui suivait Wannabe, mais après ça, ce film-là, c'est comme, on s'en va ailleurs. Donc, ça parle de Freddy Krueger comme un méchant de film de fiction qui envahit le monde réel, puis entre les acteurs et l'équipe qui est impliquée dans la réalisation des films sur lui. Ce qu'ils disent aussi dans le descriptif, c'est dit que Freddy est plus proche de ce que Craven avait initialement prévu, donc dans le sens menaçant, moins comique, puis avec, dans ce cas-là, là, dans le septième, avec une apparence modernisée, là, parce qu'il y a encore son chapeau, il y a encore... Mais on sait qu'il a été upgradé, là, mis au goût du jour pour tout ce qui touche là, son gant. Il y a un trench coat, là, un grand manteau. Mais il n'a pas l'air brûlé, je trouve, non plus, dans le visage. Oui, tu as tout à fait raison. Ça a l'air plus un visage, je ne sais pas comment le décrire, mais il n'a pas l'air démoniaque, brûlé. Démoniaque, c'est un démon, là. Ouais, c'est un démon, exact. Mais ça, j'ai trouvé ça le fun, tu vois. Puis je trouve que ce Freddy-là, il s'approche plus du Freddy dans le remake. Puis moi, le Freddy dans le remake... je m'excuse, je sais que je vais me faire trucider parce que tout le monde l'a eu, le remake. Malgré le fait que c'est pas Wes Craven, je suis fan du remake. Freddy m'a fait peur. Mais le mix audio de ce film-là, il est mauvais. Ben, écoute-moi, là, je pense que c'est un des seuls remakes que je n'ai même pas voulu acheter. J'ai les remakes d'Halloween, les remakes de Friday the 13th, Vendredi 13. Et je n'ai pas, je pense, celui-là. Tu sais, je suis allé le voir quand même, mais je... Non. Puis, avec la fantastique Rooney Mara... quand il est sorti, le film, je me rappelle, tu m'as dit exactement ça. Ah oui? Ouais. Qui n'était pas très bonne, d'ailleurs, dans le film, il est bon jusqu'à ce que Tina a meurt. Ouais, c'est ça. Ben, Tina, pour moi, c'était la révélation. Ça aurait été ça que j'aurais voulu qu'il reste jusqu'à la fin. L'actrice qui joue oui. ça. Oui, c'est Kaylee Cassidy. Cassidy, oui, c'est ça. Elle a joué dans Supernatural. Puis tout ça. Je l'adore, cette actrice-là. Je la trouve tellement belle. Ouais, vraiment. Moi, je la trouve vraiment bonne aussi. Puis je pense qu'elle joue dans le remake de Prom Night. Non, c'est le remake de When a Stranger Calls. Oui, ah oui, puis elle se fait passer, là, ouais. C'est l'ami de. Elle se fait passer très. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai écouté le podcast Horror Queers qui parlait justement du film The Silence, c'est ça, The Silence? The Quiet, je l'ai The écouté. The Quiet! Je l'ai écouté hier soir. Pour vrai? Ils sont tellement pas fins avec Camilla Bell. Là. Oh my god! Ils sont pas fins. Hey, j'ai trouvé ça ramasse. Fucking drôle. Ce qui donc, ils ont ramassé même Alicia Witt. Ils ont ramassé Alicia Witt, mais Camilla Bell puis avec Rooney Mara, là. Ils ont... Rooney Mara... Ben, ah, ben c'est justement... C'est sur le remake. Hein. J'ai écouté le podcast sur le remake de... Lequel, des Queers? Et il ramasse Rooney. Ah, ben c'est sûr qu'elle ramasse. C'est exactement le même genre d'actrice qu'Alicia Witt ouais, et compagnie. Oui, Kristen Stewart, puis... ouais, Kristen Stewart est assez dans un monde à part, elle-là, là. Oui, puis... Mais encore là, regarde, elle va se faire bitcher après pour sa représentation de Bella, mais quand tu lis le livre de Twilight, Bella n'est pas bien plus réveillée. C'est ce qu'on me dit. Moi, je ne les ai pas lus, là. Moi, j'ai pas entendu beaucoup de critiques autour de moi. Je l'ai entendu plus à l'extérieur, dans les lectures. Mais bref, je sais pas pourquoi on parlait de ça, là, mais... On revient toujours à Twilight, tu l'as pas écouté encore, hein? Ah non, non. Je te dis, là, peut-être pour les fêtes 2023, là, mais je te reviendrai avec ça. On fait ouais. Donc, l'histoire. Je vais partir avec l'histoire. Donc, et là, au début, puis encore là, je le dis tout de suite, là, puis tu as dû le remarquer toi aussi, il y a tellement
d'hommage à l'original, de clin d'œil à l'original. C'est exactement la première affaire que j'ai écrite, là, justement. L'intro qui est comme un rappel de l'introduction du premier. Exactement. Juste qu'il n'y a pas de... Comme lui, dans lui, par exemple, il n'y a pas de générique de début parce qu'il voulait pas... Ouais. Wes Craven ne voulait pas que ça ait l'air d'un film, mais plutôt d'un documentaire. Comme dans la bande-annonce originale, là, ça a un peu été présenté comme ça, le film, là. Je sais pas, mais là, tout de suite, pour ceux qui n'ont pas vu l'original, allez le regarder. Ça a peut-être mal vieilli sur certains pour les effets spéciaux, mais moi, je me souviens d'avoir vu l'original sur cassette bêta à l'époque. J'ai pas connu ça, moi, les bêtas. Non? Non, moi, j'aurais aimé ça, par exemple. Écoute, moi, j'avais un lecteur bêta, puis ma sœur aussi, puis mon beau-frère, on faisait des séances vidéo le soir. On allait louer des films, on suivait souvent 4-5 films, on passait la nuit à écouter des films. Et on allait au club vidéo. Les clubs vidéo à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, là, ils sortaient les films initialement en anglais sur VHS ou bêta. Puis quelques semaines plus tard, ils sortaient la version français du film. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les mêmes cases, là, nécessairement. Exactement. Mm-hmm. Et moi, on allait au club vidéo, puis on voyait la jaquette, sur une jaquette, là, la pochette ou la jaquette. Ouais, la pochette, là. Et là, on voyait l'espèce de pochette iconique, l'original, avec Nancy, Wannabe Nancy, et l'espèce de Get Freddy, là, les griffes. Ah ouais, qui cachait, a caché téton, là, dessus. Oui, avec la couverte. Puis là, ouais. Tu sais, on regardait ça, on regardait en arrière, puis on se disait, hey, ça a l'air vraiment cool. Mais comme mon beau-frère était pas trop à l'aise en anglais, on le louait pas. Et là, quand ça sortait en français, il l'avait loué, mais je pouvais pas l'écouter. Fait il l'avait écouté le soir, puis le lendemain, il me dit, viens chercher ça, écoute ça, ça vaut tellement la peine. On a eu la chienne, on a eu peur, puis tout ça. Fait que je dis, parfait, je m'en vais le chercher, je me tape ça, j'écoute ça seul chez nous. Puis j'étais là, oh, mais juste le début, c'est tellement iconique. Même encore, je le regarde aujourd'hui, là. Tu sais, de voir le gars en train de se gosser un gant comme ça. Mais juste le logo de New Line Cinema de ce temps-là. Qui pop, là, puis ça te flash comme un strobe light en rouge. Ouais. Mais justement, le début, Freddy gossait son gant dans celui-là, Wes Craven New Nightmare. Au début, ça commence comme ça. Tu vois quelqu'un qui est en train de gosser un gant. Bon, on sait que c'est un gant. Initialement, on ne savait pas dans l'original. Mais là, vu qu'on connaissait l'histoire, tu te dis, bon, il ramène l'histoire de Freddy ou du gars qui se gosse. Il se fait un gant, mais une espèce de main de muscle de loup-garou métallique Terminator. Là. Exactement. Puis justement, on voit un homme qui est en train de construire quelque chose, un objet. Puis là, il y a une main mécanisée qui est, comme tu dis, un peu une main de Terminator qui commence à bouger par elle-même. Puis là, il y a quelqu'un qui l'arrête, qui essaie de le maîtriser, la main mécanisée. Puis là, il se coupe. Puis là, justement, on dit « couper! » Oh, ça... quelle bonne farce! Excusez. Fait que là, on s'aperçoit que finalement, on se retrouve sur un plateau de tournage parce que ça vient de dire « cut ». Puis là, on dit « ah, c'est en train de tourner un film ». Et là, on voit le fameux Wes Craven qui vient féliciter l'équipe des effets spéciaux. Fait que je dis « ah, OK, on voit Wes qui arrive là ». Et là, il y a le technicien qui est là, du nom de Chase, qui vient retrouver son fils Dylan, joué par le fameux Mikko Hughes. Ouais. Puis sa femme, Nancy. Moi, je dis toujours non. Nancy, tu vois, ça se peut que je la regarde. Sa femme, hey, ça va être mélangeant, ça. Sa femme, puis réellement, qui est Heather Langenkamp, qui avait joué Nancy dans l'original. Donc, on voit que c'est wannabe Nancy. Pour nous, c'est Nancy. Et là, bon... Il se promène sur le plateau, Nancy apporte son pyjama. By the way, je n'étais pas sûr que c'était l'original, parce que tu sais que Heather Langenkamp, elle a gardé son pyjama original. Hein? C'est-tu elle ou Wes qui l'a gardé? C'est elle. Ah, je pensais que c'était Wes qui l'avait gardé. Non, elle l'a, dans des entrevues, je l'ai vu récemment, là, je suis allé voir quelques entrevues qu'elle a données, puis elle l'a avec elle encore son pyjama original. Là. Mais tu penses quoi s'il aurait donné... parce que j'ai écouté les commentaires, puis Wes, dedans, il dit qu'il a gardé les pyjamas puis le linge de John Saxon à la fin, puis que quand il l'a redonné, c'était comme un petit... Il trouvait ça drôle parce qu'il rentrait plus dedans comme qu'il rentrait quand il était plus jeune. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah, OK, je pense que c'est le petit côté mesquin de Wes Craven. Ah, t'as pris du poids! Okay. Savais-tu qu'elle s'est fait demander, elle s'est fait offrir un caméo dans le remake?
Non, je m'en... Ben, peut-être que je l'ai su puis que je m'en rappelle plus, là, mais... Elle n'a pas voulu parce qu'elle s'est dit non. Elle est comme très protectrice de l'original, puis elle a dit non, je voulais pas faire ça. Son mari, Heather Langenkamp, puis ils ont une compagnie ensemble d'effets spéciaux. Ouais, ben c'est ça qui justement, Wes Craven, il disait dans les commentaires comme quoi que il s'est inspiré beaucoup de la vraie vie de Heather. Heather. Alors, on revient là, ils sont sur le plateau de tournage, t'as Chase qui est avec, il a son fils sur les épaules, sa femme Heather Langenkamp, il se promène sur le plateau, Nancy elle a son pyjama, puis là on entend, et là oui, mais là j'ai marqué premier jump scare, hein, parce que là t'as... Ah oui, quand il sort avec le serpent, là... Ils sont mieux d'y avoir dit pour petit Mickey. Hey, ça serait fucking chien. Le jeune, il ça ne m'attend pas. Qu'est-ce que toi? Moi, ça me surprendrait pas parce que pour le faire pleurer, le jeune, il faisait sortir sa mère puis il disait que sa mère, elle avait eu un accident. Oui, je te fais, il utilise des trucs un peu chiens pour faire peur au monde. On a l'équipe qui l'équipe là, technique, que là, il y a la main griffe mécanisée qui est sur une table. Puis là, la main, elle semble bouger par elle-même. Puis là, à un moment donné, elle se met à bouger, puis elle coupe le gars sur la main. Après ça, elle saute dans le cou d'un autre technicien, elle dit « rentre ça dans le cou ». Puis là, j'ai marqué, elle déchire tout ce qu'elle rencontre. Écoute, moi je trouvais que c'était efficace. Ça partait vraiment raide en partant. Et ben c'est ça, tu sais, ça rentre dans le cou de l'autre, dans le ventre de l'autre. Ça slash la jambe au départ, le mollet. Puis c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est un clin d'œil à Miko peut-être dans Pet Sematary. Ah, écoute, il y a tellement de Easter eggs dans ce film-là que... C'est incroyable. On va en rapporter quelques-uns, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, là. Je serais pas surpris, moi, honnêtement, que ce soit puis ça. Puis là, ben, comme le gars vient pour sauter sur Chase, qui est le mari de Heather Langenkamp, ben là... Celui qui s'est fait couper les doigts, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, on s'aperçoit que c'était juste un cauchemar de Nancy Heather Langenkamp. Là, je vais enlever le Nancy, là, mais Heather Langenkamp. Puis là, en se réveillant, il y a comme un méga tremblement de terre, puis c'est ça qui l'a réveillé. D'ailleurs, j'imagine le tremblement de terre, là, qui, en même temps qu'elle a lâché un qui, parce que... Ben, c'est ça qui a sauvé le cul à Chase, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc... Les trois, ils se rassemblent, puis le tremblement de terre arrête. Puis là, Chase, il a une blessure à la main. Donc, tu te dis, OK, il a sa blessure à la main, comme dans le rêve d'un cauchemar quand il se fait couper par le gant. Là, j'ai noté aussi que Dylan, il dessine une face épeurante dans son gruau. Qui a l'air de Freddy, là. Qui a l'air vraiment de Freddy. Tu te dis, oh, OK, ça veut dire que lui aussi, il a peut-être des cauchemars. Puis là, on voit que Heather, elle semble dérangée par quelque chose. Puis en discutant avec son mari, on apprend qu'elle reçoit des appels d'un stalker, d'un harceleur, puis ça lui cause des cauchemars. Ce qui est vrai, ce qui était vrai dans sa vie aussi, là, c'est arrivé... Hein, puis ça, je suis sûr que tu le sais, Wes Craven, il a ramené beaucoup d'éléments réels de la vie des acteurs pour ramener ça dans ce film-là. Hein. Wes Craven, là, son travail se faisait accuser d'être responsable pour des actes de violence dans la vraie vie. Exactement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé tout au long de sa carrière. Puis je pense qu'il a essayé d'exposer ça dans ce film-là. Est-ce que les films sont responsables des actes des psychopathes, des psychotiques, puis tout ça? C'est vrai que c'est vraiment teinté. Moi, je pense qu'on doit retenir, là, c'est pas la morale, parce qu'on reviendra à la fin, mais c'est vrai. Vraiment, on le sent pendant tout le film, est-ce que l'horreur vient influencer la réalité? Puis ça l'a beaucoup, beaucoup suivi Wes Craven pendant toute sa carrière. Ben, il en reparle dans Scream, puis dans Scream 2, il approfondit là-dessus. Alors là, on sait qu'elle raconte qu'elle a un harceleur, quelqu'un qui l'harcèle au téléphone. Puis là, ben, elle est en train de se préparer parce qu'on sait qu'elle... On apprend qu'elle s'en va à quelque part faire une entrevue. Puis là, elle raconte son cauchemar à son mari. Lui, il essaie de la rassurer. Dreams are like that. C'était juste comme, OK, oui. Avoir été elle, ça a dû... Tu sais, si ça avait arrivé pour vrai, mettons, là, le film, ça aurait vraiment été troublant. Là. Dans ton rêve, il se fait couper. Puis après ça, dans la réalité, il arrive. Puis t'as joué dans un film où est-ce que ces choses-là arrivent pour vrai. T'as sorti un moi, ça me travaille un petit peu. Là. C'est sûr que... Et là, c'est ça. Elle se prépare dans l'entrevue. Lui, essaie de la rassurer de ses craintes. Là, à un moment donné, il y a des craques qui apparaissent sur le mur. Puis là, j'ai dit, ça avait l'air un peu comme les griffes de Freddy qui auraient déchiré le mur. Et là, à un moment donné, Dylan, le garçon de Heather, qui est en train de regarder le film. L'enregistrement.
Comment ben ouais. Que ça joue à TV, ça, ce film-là? Comment c'est que t'as regardé ça? Drette en partant. Comment? Drette en partant, en plus, ça joue le matin. Ben oui, mais c'est ça. Nous attendons pas passe-partout pour vous présenter un nouveau type de personnage pour enfants, Freddy Krueger. Oui, penche-toi en avant, secoue les fesses, secoue les ouais, c'est Freddy va te les slasher tes fesses. Ouais, c'est ça. Faire une deuxième slice. Il y en a qui trouveraient ça pas mal pratique, maintenant. Ah oui, ça, tu couperais ça. Ouais, ça, on va passer pour nous une pub. Donc, mais c'est ça, tu sais. Mais là, tu sais, je me disais, il regarde ça le matin. Ça jouait-tu à télé ou il y avait une cassette du film, ça, on ne sait pas. Mais non, c'est vraiment le film, il joue tout seul, là. Il s'est fait. C'est ça, c'est l'entité comme tel. C'est ça, là. OK, c'est ça. C'est comme un peu. Je sais pas, comme dans Poltergeist. Là, TV, elle projette quelque chose, puis c'est l'original. Fait que lui, ben, elle joue. Le film, il joue même la télé débranchée, à un moment donné. Exact. Moi, selon moi, ça, c'est quand le film, il joue à télé, c'est, dans le fond, l'entité, ben Freddy Krueger, on va l'appeler de même, parce que techniquement, c'est ça. Je pense que c'est justement, c'est Freddy qui joue avec la tête du jeune, et non pas avec la tête de sa mère. Puis là, ben, ça donne ouais. Qu'elle les pogne. Puis lui, tu sais qu'il est vraiment influencé par... ce qui se passe, puis tu sais, c'est comme si l'entité passe par lui, comme tu as dit, pour vraiment revenir au monde, t'sais, revenir un peu à, tu sais, j'existe encore, là, je vais passer par le garçon pour l'exprimer, puis on va voir plus tard qu'il y a une couple d'occasions où ça paraît énormément, là. Ben, faut pas oublier que Freddy, la manière qui fonctionne, là, c'est, lui, il va avoir assez de, ben, je sais pas si c'était techniquement quelque chose qui était dans le premier aussi, c'est venu à travers les suites. Mais si je ne me trompe pas, Freddy, il faut que tu aies peur de lui. Il faut pour qu'il... Il est dans les autres, mais initialement, c'est un peu ça. Il joue avec les peurs, mais je pense que c'est dans les autres qu'on l'apprend plus en détail. Mais c'est ça, c'est qu'il te fait peur. Plus qu'il y a de monde qui a peur de lui, plus qu'il y a de force plus pour... Plus qu'il y a de force, exactement. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Il essaie de faire peur à Heather en harcelant son jeune. J'ai compris ça, moi. Ben oui, puis tu sais... En faisant peur aux jeunes, puis que le jeune fait peur après ça. Oui, parce que quand elle atteint la vidéo, il est pas content. Il se met à crier. Là, allé, oh my God, il était vraiment super crédible. Et là, le téléphone sonne. Là, elle répond au téléphone. Puis là, on entend la voix. Que nous, on sait que c'est Freddy. Puis il y a des bruits de. Exact. Là, il y a des bruits de grincement, là, comme ses griffes qui font sur le métal. Là, il rappelle, là, il dit « Freddy's coming for you ». Puis là, Dylan qui répète « Someone's coming ». Là, tu dis ah, quoi, c'est là? Tellement creepy, ça, quand ah, ouais. « Someone's coming ». Tu sais, je lève mon chapeau à Miko, là, mais il est tellement bon acteur. À l'âge que là, de jouer ce genre de personnage-là, là, c'est troublant. Ah, ben, il est vrai, ben, tu vois qu'il a appris beaucoup probablement de son expérience dans Pet Sematary aussi, parce que même là-dedans, il est foutu creepy. Là. Ah, vraiment. Et là, bon, il y a un autre tremblement de terre. Donc ça... C'est une matinée assez mouvementée. Hein. C'est fou, puis les tremblements de terre. Le rêve qu'a fait, tremblement de terre, après ça, le jeune qui capote and a half, après ça, un autre tremblement de terre, après ça, les appels anonymes. Puis, tu sais, il faut dire que ça se passe en Californie. Donc, c'est vrai, dans le temps des tremblements de terre, justement. Et voilà, en Californie, exactement. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre dans ces temps-là, en Californie, là, dans le coin de Los Angeles, Oakland et tout ça. Puis là, ben là tout d'un coup, Julie, la gardienne, elle arrive. Je l'aime, ouais, je trouve qu'elle rock. Je l'aime beaucoup, pas mal plus que moi, je l'avais connue dans Beverly Hills 90210. Elle avait joué là-dedans, puis je la trouve vraiment, vraiment poche là-dedans, mais moi aussi, je l'ai beaucoup apprécié, Julie. Donc ensuite, téléphone qui se met à sonner. Là, Nancy, qui hésite à répondre, elle répond en shootant de la chute, puis c'est juste le gars de la limousine qui dit « Hey, ta limousine est arrivée, là. » Fait que... Elle dit même pas « Bye », elle raccroche. Ouais, mais tu sais, elle est troublée, là. Elle s'attendait à avoir l'appel encore de son stalker, son harceleur, fait que là... Ah oui, quand elle a répondu, elle l'a envoyé... Ouais, exact. Moi, je trouve ça fucking drôle. Puis là... La honte, tu sais. Oui. Moi, je suis restée dans la... Ah, c'est parce que t'as besoin de t'arriver. Oh, excuse-moi, je fais du pipi, je m'en viens. Oui. Puis là, finalement, elle sort dehors, elle s'en va. Moi, j'ai juste marqué le chauffeur. Le chauffeur, il avait de l'air vraiment louche. Là. Hey, OK, j'ai marqué ici, le chauffeur de limo a l'air d'un perv. Vraiment, là. Je la regarde, Hey, puis Heather, là, is kind of a bitch. Tu trouves?
hey, il parle, il lève la fenêtre d'en face. Ouais, tu sais, ouais, je veux dire, comme tu t'en vas pour une entrevue par rapport à Freddy, justement. Puis là, lui, il te parle de Freddy. Ben, je pense que ce qu'elle voulait prouver aussi en même temps, c'est que j'étais un peu écœuré. Puis là, je viens de vivre des affaires vraiment comme weird, là, comme mets-en pas une couche de plus. Là, mais tu sais, j'avoue que c'était pas fin de remonter à la fenêtre, mais tu sais, voulant dire, femme-toi ta gueule. Là, ben, tu sais, elle aurait pu dire, oh, ça me tente pas d'en parler, excuse-moi, mais comme, mais oui, c'est ouais. moi qui ai joué dedans, merci. Nan, nan, nan. Ben non, tu OK, on va dire que t'es wannabe un petit peu loup. Ouais. Et là, on voit qu'elle arrive sur un plateau. Puis là, t'as l'animateur qui parle des films de la série. Puis qu'on s'entend qu'il est pas vraiment ben plus fin, qu'il arrête pas de il couper la parole. Elle vient pour répondre, il coupe la parole. Lui, il demande s'il va y avoir d'autres suites. Puis si vraiment Freddy est mort. Là, ça serait pas à elle, techniquement, qu'il faudrait qu'il pose la question. Là, mais OK. Mais non, c'est ça. Il voulait avoir son avis parce qu'elle a été la némésis de Freddy, mais t'sais, en même temps, je pense que la question, c'était normal qu'il la pose, mais en même temps, il m'énervait assez, cet animateur-là. Moi, j'aurais dit, écoute... Ben, t'es bitch avec elle aussi, dans le fond. I guess que je sais pas... Ben oui, t'es bitch, voyons donc. Ah ouais, avec t'as fou sa défensive, puis... Mais là, elle dit, mais... parce que, tu sais, il demande ça, puis elle dit, Freddy est mort et enterré. En anglais, il dit dead and gone. Fait qu'elle dit, non, Freddy est mort puis enterré, dans la titre. Puis là... Ben lui, il dit, ah, ben, by the way, on a un invité spécial. Puis là. Puis il vient d'y demander, justement, genre, est-ce que tu laisserais-tu ton enfant tout seul avec Robert? Puis elle se peut comme, ben, je sais pas. Tu vois, c'est ça. Puis là, lui, il pop en arrière, ce serait pas ton jeune avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? J'ai-tu un problème, moi, là? Ouais, c'est ça, tu sais, comme. Tu sais, c'est Robert, comme Robert, c'est le gars qui a de l'air le plus fin au monde, là. Tu sais, Robert. Il a l'air d'un monon cool, genre, tu sais. Il a de l'air vraiment gentil, tu sais, il c'est. Moi, c'est le pendant de l'horreur de Tom Hanks dans les films plus sérieux. Tu sais, genre le gars, là, ouais. Laid back, puis vraiment gentil, tu sais, comme... Fait que là, Robert Englund, qui arrive à habiller en Freddy sur le plateau, la foule la capote. Il y a plein de monde dans la foule qui sont habillés en Freddy. Il y a des affiches avec des slogans. Puis là, je sais pas si t'as remarqué, il a sorti une réplique qui vient de Nightmare on Elm Street 2. Donc, les griffes de la nuit 2. Puis là, il a dit, You are all my children now. Ah oui, c'est vrai. Puis là, il fait comme des affaires dans le. Dans la lumière, là. Il fait des espèces exact. De waves dans les airs, là. Ah oui, c'est Nancy, vraiment cool, ça. C'est un beau plan. Elle semble vraiment dérangée, tu sais. Elle le voit comme faire des espèces de gestes, puis elle semble vraiment pas bien, là. Ben, et c'est là, surtout que la personne exact. Qui l'appelle utilise la même voix que Freddy. Fait que oui, en effet, là, ça doit être assez troublant. Fait qu'elle, c'est comme ça se dit, OK, ce que j'ai vu qu'un matin avec ça, c'est comme vraiment bizarre. J'ai-tu vraiment, tu sais, besoin de vivre ça aussi? Puis là, je fais tout de suite un parallèle là, avec le documentaire. Je t'en ai parlé de I Am Nancy. J'ai vu un petit bout. J'ai pas vu vraiment au complet. Puis pourquoi... Ah, l'as-tu trouvé? J'ai vu une séquence sur le net, mais c'était pas en entier. Là. Ça sortit quand même en 2011, je crois, ça. Ah, ouais? Oui, j'étais vraiment surpris. En tout cas, ce que j'ai vu, là, mais bref, je fais le parallèle parce qu'à un moment donné, on voit Heather et Robert dans une loge. Puis là, tu vois que Robert, il signe plein d'autographes. Pour des enfants. Là. Pour les enfants, genre. Puis tu sais, Nancy est en background en disant que je t'attends, mais comme... Tu sais, elle n'en signe pas. Puis là, je fais tout de suite la référence avec le documentaire parce que j'ai vu une bande-annonce de I Am Nancy. Fait que là, c'est là que j'ai su que ça existait, cette affaire-là. Puis elle montrait un petit bout là-dedans. Puis elle s'en va à des conventions parce qu'elle s'est aperçue que, ben dans les conventions, le monde se font des lignes pour aller rencontrer Freddy, donc Robert Englund. Puis elle, plus ou moins, les produits dérivés. Il y a plein de produits dérivés de Freddy. Deux, trois affaires de Nancy. Je chantais pas que c'était de la jalousie, mais elle se questionnait. Elle dit, comment ça que, tu sais, qu'il y a peu d'engouement pour Nancy, puis qu'il y en a tant pour Freddy. C'était comme son questionnement. Et ben, c'est le vilain. C'est lui la vedette. Puis Nancy, ouais. Puis tu sais, Freddy, ils l'ont franchisé, là aussi, là. Ben, moi, je trouve ça un peu normal, mais elle se questionnait comme... Par rapport à ça, c'est ça qui a influencé son documentaire I Am Nancy. Mais elle a quand même un fanbase. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Oui. Puis le monde est trippé foutête là, qu'elle revienne là, pour Wes Craven's New Nightmare. Là. En tout cas, Nancy, elle a son fanbase. Elle a vraiment beaucoup d'amour de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens. Moi, là, d'aller dans une convention, je voudrais parler beaucoup. Là. Mon rêve, ce serait de rencontrer Robert. Mais de parler avec Nancy aussi parce que. Dans l'entrevue que j'ai entendue d'elle là, hier ou avant-hier, je l'ai trouvée vraiment très transparente. Là. Elle dit, moi, là, elle dit, j'ai pas fait d'autres choses à part le rôle de Nancy Thompson dans l'original. Puis elle dit, à un moment donné,
elle a pris un terme que j'ai trouvé vraiment intéressant. Elle appelait ça du ego bruising. Ah ben oui, ça fait partie du métier, ça. Oui, puis elle, on dirait qu'elle n'était pas prête à se maganer comme ça. Puis elle n'a pas voulu faire tous ces compromis-là. Puis elle a décidé d'élever sa son ou ses enfants. Je pense qu'il y en a peut-être deux. Puis de participer à la compagnie, à la business de son mari. Là, elle dit, puis là, dans la cinquantaine, elle dit qu'elle pense avoir le goût de retourner, mais elle n'est pas prête à faire n'importe quoi. Elle n'est pas prête à faire plein de compromis. Puis bizarrement, elle dit, j'ai l'impression que je prendrais plus mal le refus maintenant que peut-être quand j'avais entre 16 et 20 ans. Fait que j'ai dit, ah ouais, OK, il me semble, en vieillissant, tu as plus d'assurance qu'avant. Moi, t'es quand même plus dealé, mais je sais pas. Je sais pas, moi, tu vois, je dirais le contraire. Moi, je me fie à moi personnellement, j'ai perdu beaucoup d'assurance moi-même. Fait que oui, je comprends un peu comment que, tu sais, ton apparence, tu te sens moins bien, t'es plus aussi jeune. Puis sans vouloir être offensant non plus, tu sais, Heather Langenkamp, c'est une icône, là. C'est une icône en tant que telle. C'est oui, comme un petit peu la final girl de ce temps-là. Elle est étiquetée pour ça, mais c'est pas pour ses talents d'actrice, là. Non, puis d'ailleurs, moi, je te dis tout de suite, là, je l'ai trouvé très, très bonne. Probablement sa meilleure performance dans ce film-là. Ben, vraiment, là. Tu vois que, justement, elle a été une victime du changement de génération. Le oui, acting n'était pas pareil dans les années 80. Sa meilleure performance, c'est vraiment dans celui-là, dans le 7e. C'est vraiment, selon moi, sa meilleure performance dans les films dans lesquels elle a joué. Ben, je l'ai trouvé plus physique vraiment. Aussi. Physique, puis plus juste dans ses répliques, plus authentique. Moi, j'ai regardé... Là, Screw your past! Là. Donc, c'est ça. Elle est sur le plateau, elle sort du plateau avec Robert, lui signe des autographes, et là, reçoit un appel de Sarah Richer, qui est la productrice de New Line Cinema. Puis là, elle lui dit, « Ah, Heather, peux-tu passer au bureau de New Line parce qu'on a un projet à te proposer? » Elle arrive au bureau... Avec la secrétaire fucking bitch, là, qui la regarde là, comme... What the hell? Non, ça, là... Je refuse. Je refuse. C'est à cause de elle qu'ils font de l'argent de même, là, quasiment. À cause de elle, là, ma fille, elle fait partie elle de ce que... Elle a l'impact aussi, donc respecte ta carrière. Respecte tes aînés, ouais, c'est ça. Oui, s'il te plaît. Et là, c'est accueilli par Sarah Richard. Elle la conduit. Elle conduit Heather dans le bureau de Bob Shea, qui est vraiment le grand boss de New Line Cinema. Puis qui a tellement l'air d'être graisseux, là. Pas gras, graisseux. Il a l'air d'avoir la... Je trouve tellement que ses cheveux, ça a l'air graisseux. Sa peau a l'air graisseuse. J'aurais l'impression qu'il faudrait que je me lave les mains après y avoir touché, genre. Puis je sais pas si t'as remarqué, quand elle est rentrée dans le bureau, tu sais, à un moment donné, il y a plein d'accessoires de Freddy. Encore là, pas rien de Nancy. Puis là, Bob, il se met à jaser avec elle. Puis là, un petit peu de small talk. Puis là, il dit, « Hey... je te propose quelque chose. Là. T'aimerais-tu ça jouer dans un autre film de Freddy, un autre film de Nightmare? » Puis elle dit, « Ben, je pensais que Freddy était mort. » Mais là, Bob dit, « Ah, ben, tu sais, les fans en veulent encore. Evil never dies. » Puis d'ailleurs, il dit, « Wes is having nightmares again. » Mais Freddy, le premier, ça n'a pas été basé sur des cauchemars de Wes Craven. Ça a été basé sur une histoire qu'il a vue aux nouvelles, là, qu'un quelqu'un qui s'est gardé réveillé pendant comme une semaine. Mais là, c'est en Indonésie, là. Ouais, c'est une histoire d'Asiatique. Hey, c'est troublant, ça. C'est ça, la base de son histoire. C'est que c'est quelqu'un qui ne voulait pas dormir parce qu'il dit... Je vais pas dormir parce que je vais mourir. Puis là, il s'est fait donner des pilules pour dormir par ses parents pour qu'ils disent, ah, il faut que tu dormes. Puis finalement, il va en criant, puis il en est mort. Là. Il est mort de ça. Puis là, ben, ils ont dit ça vient, c'est une des influences. Puis Freddy, c'était le nom d'un gars qui a été un bully, un intimidateur de Wes Craven à l'école. Et Kruger, parce que ça sonnait allemand, puis ça va de la menaçant. Donc ça fait vraiment tout ça. Puis le look, c'est que ça. Il regardait dans la fenêtre, puis il y avait un monsieur passé dans la rue, puis le monsieur, comme à regarder, en se tournant, puis en le regardant, il faisait des gros yeux, puis le monsieur, il essayait de rentrer dans le bloc appartement où il habitait, fait que ça lui a donné vraiment la chance, fait que c'est inspiré un peu ce personnage de ça. Et là, c'est ça, donc il jase de la possibilité d'un autre film, elle dit, il dit, ouais, c'est en tête d'écrire pour un autre film de Nightmare, il y a une bonne histoire à raconter, il est en plein milieu du scénario, elle dit, elle est hésitante à jouer dans un autre film d'horreur. Elle dit, là, j'ai un garçon, je suis plus ou moins motivé à jouer dans des films d'horreur vu que là, j'ai un gars. Ok, parfait. Puis ça là, se fait désirer, là.
Elle se fait désirer, mais tu vois qu'elle n'est pas trop motivée. Là. C'est pas genre, là, oh my god, yes, ça, ça y tenterait pas. Là. Ouais, mais s'il si il offre 20 millions pour le film, crée-moi, elle va embarquer dedans, mais si ce sera pas ouais, là. Ouais, c'est sûr, je pense que ça va l'aider. Fuck le petit. Fuck le petit, on y montrera pas, à moins que ça pop dans sa TV sans qu'elle sache, mais ça, bon. Ah, c'est ça. On n'a pas de contrôle sur ce qui se passe quand sa TV elle part tout seul. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est que là en plus, c'est lui qui apprend, maudit Bob Shea, que son mari travaille en cachette sur un nouveau prototype du gars de Freddy. Fait que là, elle dit, OK, je savais pas ça. Il est en train de faire ça présentement. Comme elle pensait pas, là, elle savait qu'il travaillait sur des affaires, mais elle pensait pas qu'il faisait ça. Oui, mais encore là, il a bien le droit de faire ce qu'il veut, non? Oui, ben oui. Mais elle, là, c'est parce qu'elle fait des associations. Elle se dit, OK, le rêve, dans mon rêve, ils sont en train de travailler sur le gars de Freddy. Là, j'apprends qu'il travaille sur le gars de Freddy. Là, elle demande à Bob, elle dit, t'as-tu des cauchemars, toi, dernièrement? T'as-tu des appels bizarres depuis les derniers mois? Puis là, tu vois que lui, il a de l'air vraiment pas bien non plus. Et tu te dis, OK, lui aussi, il a eu des rêves puis des appels. Puis là, justement, le téléphone sonne et il répond pas. Fait que là, pourquoi tu réponds pas? Ah, non, j'ai une secrétaire, c'est elle qui va s'occuper de ça. Mais tu vois qu'il n'y a pas de l'air bien, lui, non plus. Mais là, en tout cas, elle apprend ça. Là, elle retourne à la maison après tout ça. Là, Dylan, qui est en train de piquer une crise, il crie. Il a l'air d'avoir fait un cauchemar. Puis là, il se réveille, il dit à sa mère, là, tu sais, « Never sleep again. » Là, ça serait l'affaire qui me ferait... Comme si j'avais des enfants, là. Puis c'est probablement pour ça que j'en ai pas, d'ailleurs. Trop peur qu'il se fasse posséder. Mais imagine-toi ton enfant, là. Ta progéniture, là, que tu t'en viens le prendre puis que tu sais déjà pas quoi faire parce qu'il crie puis qu'il capote. Puis là, t'en regardes puis il dit « Never sleep again. » Hey, oublie ça. Moi, j'ai jeté. Ben, moi, c'était pas dans le genre d'eux, mais j'ai vécu des choses comme ça que mes filles qui se sont réveillées. Une qui avait des terreurs nocturnes, l'autre qui voyait, on avait donné un médicament contre pour la grippe, puis voyait des papillons, le genre. Je te dis que quand tu vas dans la chambre, puis j'avais eu à peu près le même effet probablement que Nancy a eu avec Dylan. Là. Mais j'aime mieux les papillons, en tout cas. Comment? J'aime mieux les papillons, Freddy. Ouais. Donc là, le dinosaure de Dylan aussi est déchiré. Tu dis, c'est vraiment weird, hein? Le toutou, il a comme son rôle dans le film, puis il a un rôle super important en plus. Là. Tout à fait. Puis là, avec tout ce qui se passe, Heather, elle appelle Chase pour lui parler des affaires bizarres, des réactions de Dylan, de leur garçon. Fait que là, lui, il entend ça, il dit ah ouais, fait que là, il décide de revenir à la maison. Puis là, comme il vient pour quitter, là, tu vois que le gars qui était sur l'établi a disparu de la table de travail. Puis là, on retrouve Heather avec Dylan dans le lit en train d'y raconter l'histoire de Hansel et Gretel. On n'a pas dit pareil, mais c'est pas grave. Écoute, il y a tellement de parallèles, là, même à la fin avec Hansel et Gretel. Là, c'est comme si ça a une grosse inspiration dans le film aussi. Là. Donc, ben, c'est génial, ça. Moi, j'ai trippé bien. C'est vraiment génial. Oui, puis, tu sais, je me dis, crème, elle raconte ça. Elle lui dit que c'est un peu violent. Non, puis il se met à raconter un bout du livre. Il dit toute l'histoire, genre d'un. Puis là, j'ai juste marqué Miko, il est creepy. Il est malade. Moi, tout, j'ai marqué. J'ai dit, lui. Il a l'air d'avoir du plaisir à avoir ses affaires freaky de Hansel et Gretel. Hey, moi, quand j'étais petit, là, j'avais même pas le droit de regarder des films d'horreur. Je faisais des crises à ma mère pour qu'elle me laisse en regarder. Puis il n'y en était pas question. Lui, il joue dedans. Ben oui. C'est pas fair. Puis deux intenses, hein, vraiment. Là. Fait que là, lui, il dit que son dinosaure, c'est son protecteur contre le vieil homme avec des griffes. Fait que là, tu te dis, ah, OK, il y a des beaux rêves lui aussi. Là, Chase, le papa revient à la maison. Il veut revenir à la maison. Là, il est sur la route, il est fatigué. Il est en train de chanter Losing My Religion pour pas tomber dans. Puis là, il y a comme un gros shot de son bulge. Oui. Moi, ça, quand j'étais jeune, là. Heaven! Moi, je vois, en tout cas. Non. Et là, il a même pas l'air d'avoir de pénis, fait que. Ben, je m'en allais vers ça, en tout cas. Pas besoin, j'ai remarqué. OK, bon. Donc, là, il y a des griffes qui apparaissent dans. On dirait un peu surnaturel. On dirait que c'est comme s'il y a comme. Ça sort de l'eau. Ouais, ça sort de l'eau, exactement. Exactement, c'est ça l'effet. C'est comme s'il sortait de l'eau. C'est parce qu'il voulait que ça fasse. Wes Craven, il voulait vraiment que ça ait l'air comme dans un rêve. Tu sais, dans un rêve, des fois, là, quand des affaires ne fit pas trop dans le décor, c'est comme flou autour. Ben, c'est un peu ça qu'il a essayé de reproduire. Est-ce que ça sortait comme ça? Ça sortait du bain un peu comme si c'était, ça sortait de l'eau. Puis là, j'ai juste marqué, c'était après des bijoux de famille de Chase. Ben oui, c'est venu faire les guilis sur son kiki. Exact.
Oui, c'est ça. Et là, tout d'un coup, les griffes, ils sortent du bas, ça, ils rentrent dans le ventre. Là, ils perdent le contrôle, ils sortent de la route. Là, au même moment, Heather se réveille en sursaut, comme ça l'avait une prémonition. Ouais. Là, Dylan est aussi réveillé. Ben, c'était le cauchemar qu'elle a fait. C'est un cauchemar qu'elle a fait. Mais là, c'est ça, quand, je sais pas si t'as remarqué, quand... tu sais, quand bon, lui, il prend le clos, là, il sort de la route, puis là, elle se réveille, et là, ça sonne à la porte, puis quand ça sonne à la porte, je sais pas si t'as marqué, il y a une prise de vue qui est vraiment un clin d'œil à Hitchcock, là. Je sais pas si t'as vu, c'est vraiment, tu sais, la fameuse prise de vue qu'on voit aussi dans Jaws, tu sais, quand que... J'ai même pas vu Jaws, je sais, je m'en vais en enfer. Mais, en tout cas, la prise de vue, ce qui, la manière qu'ils font ça, c'est comme si le background en arrière recule, mais la même... T'avances, puis tu recules, je fais souvent ça avec mon téléphone. Donc, ils reculent la caméra en zoomant. Fait que ça fait comme... C'est vraiment une prise de vue. C'est hot, ça. C'est vraiment, vraiment cool. Hot, ils font ça dans Thriller aussi, quand Michael il devient un zombie puis qu'il se met à danser. Là. Puis que juste oui, avant, là, il fait sa petite face à côté. Avec la fille. Oui. Oui, je pense que c'est la fille qui a ce prise de vue-là. Là. Oh. Oui. C'est vraiment bien fait. Mais ça vient d'Hitchcock. Donc ça, c'est, j'ai dit, un petit clin d'œil à Hitchcock. Et là, les policiers qui viennent de dire à Heather que Chase a eu un accident, qui était décédé. Fait que là, comme tu disais tantôt, elle se rend à la mort parce qu'elle veut vraiment voir le corps. Là, moi, je me suis dit, c'est-tu normal qu'il y a tous ces corps-là qui traînent dans le couloir comme ça? C'est exactement ça que j'ai écrit dans mon âge. Comme... Oui, où il y a plein de cadavres dans le passage. Puis elle passe là-dedans. Ils n'ont pas d'affaire à faire ça à mort. Surtout, puis là, l'autre fois, je me suis dit, il n'y a pas personne qui va se faufiler aussi facilement que ça. Ben, il paraît que c'est très feng shui, hein, des cadavres. Ah, ouais, en tout cas, moi, là, je me suis dit, ça n'a pas de maudit bon sens. T'aimerais pas ça, toi, chez toi, avoir ça comme déco, genre, tu t'en dans un coin, puis t'en as un qui a les yeux tout délavés, genre, non, à moitié décomposé. L'expérience que je peux me rapporter le plus proche de ça, j'étais jeune, la dernière fois que j'ai vu un corps exposé dans une maison privée dans mon village natal. C'est la dernière fois que j'ai vécu ça. J'avais peut-être 8-9 ans, je sais pas, 10 ans. Puis, il y avait un monsieur qui était décédé au village, puis ils l'ont exposé dans la maison. C'était la première puis dernière fois que j'ai vu ça. Après ça, c'était tout dans les salons mortuaires. Puis, c'était weird, parce que je suis pas sûr qu'il avait été encore embaumé. Puis, ça sentait le mort. Quand tu me parles des corps là, comme tel dans un couloir d'une maison, quoi que ce soit, ça me ramène à cette histoire-là. Ça serait pas ton premier choix de déco, mettons. Là. Vraiment pas. Et là, c'est ça. Ben, en même temps, parlant de weird, elle voit le corps de son mari. Là, le médecin, le médecin légiste, je sais pas trop, le coroner. Ouais, qui est technique, qui est Kenny dans Scream. Pour le vrai, lui? Oui, c'est le caméraman dans Scream. Ah, j'avais pas remarqué. C'est lui qui se fait dire « Move your fat tub of Lord ass now! » Par Courtney Gale Weathers. Donc, ben c'est ça. Elle voit le mari, lui, il monte un petit peu la face, puis elle voit un petit peu le début de Graffinia sur le chest. Puis là, elle dit « Hey, peux-tu me le remontrer encore? » Puis là, elle attire un peu plus, puis là, c'est parce qu'il y a des slashes de griffes sur l'abdomen. Et là, elle vomit d'avoir vu le corps, d'avoir vu ça. Puis là, tu sais, elle voit ça, puis elle se dit « Là, c'est vraiment bizarre. » Fait que là, on les retrouve aux funérailles. Là, j'ai marqué, on voit des acteurs des autres films de Nightmare on Elm Street. Donc, on voit John Saxon qui fait le père de Nancy dans l'original. On voit Wes Craven, on voit... Tuesday Night, la belle Tuesday. On voit, ah ouais, t'as trouvé belle, toi? Du tout, non. Je suis vraiment sarcastique. On voit Jesus Garcia, qui s'appelait Nick Corey dans l'original, mais son vrai nom, c'est Jesus Garcia. Qui jouait dans le 2, non, right? Dans l'original, Rod. Ah oui, okay, excuse. Je mélange lui, puis lui qui a joué dans le 2, là, ouais, qui a joué dans Sometimes They Come Back. Grady, oui. Comment il s'appelle? Lui, là, pour ceux que... Si t'as déjà vu des Horror Allowed Grounds là, de Sean Scott qui va... Lui, là, Sean Scott, il va sur les sites où les films ont été tournés. Et il montre souvent à quoi ça ressemblait dans l'original, dans le film. Puis comme 30 ans plus tard, à quoi ça ressemble la place. C'est vraiment fascinant. Moi, j'adore ça. Et là, il y a le tremblement de terre, le cercueil qui tombe sur le côté d'un trou. Puis là, elle, qui vient pour se lancer... parce qu'elle voit que le cercueil a comme canté, elle vient puis se lancer, puis elle tombe à terre, puis elle se cogne la tête sur le bord du cercueil, puis là, elle se réveille, puis là, comme, mais finalement, elle n'est pas réveillée, là, on le sait après, mais c'est comme ça se lève, elle a une poque sur le front, là, elle cherche des lunes. Là, elle se fait maganer dans le film. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé cool. Dans le film, elle se fait maganer tout au long du film, puis oui, les blessures s'additionnent, n'est pas correct après, tu sais. À la fin, la boîte, puis tout, là, ça va pas bien son affaire. Mais d'ailleurs, je me suis questionné à savoir, elle boit-tu vraiment? Parce qu'il est arrivé quelque chose, ou c'est parce que l'actrice elle-même, elle avait eu une blessure de quelque sorte. Parce que je me suis posé la question, moi.
Je pourrais pas te dire. Je sais que c'est quelque chose. Puis tu sais, à un moment donné, à la fin, il arrive la même chose avec Freddy. Il se fait planter un couteau dans la jambe, puis ouais. Il boite après. Ouais. Les autres films, ils ont jamais fait ça, là. Justement. Là, s'il se faisait blesser, après ça, il était correct. Il faisait juste passer sa main en avant, puis c'était fini. T'sais. Exactement. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool, ça. Là, finalement, Dinan, elle aperçoit qu'il est dans le trou à côté du cercueil. Là, on voit Freddy, comme pour la première fois, le nouveau Freddy weird et épeurant. Puis là, qui prend Dinan, qui l'entraîne dans. Là, il essaie de l'emmener dans son. L'air dans le dans fond. Son là, c'est monde, pas... c'est ouais. Ça. Là, Nancy qui rentre là-dedans, dans le fond du cercueil, il y a comme un passage. Ah, puis là, lui, il se réveille, le mari. Ouais, ben, ça, c'est là. Ça, là. Attire. Là, puis là, le mari qui se réveille, puis qui tombe dessus, puis là, il y a de l'air ressuscité, puis qui. Ben, ça, j'avoue que j'avais trouvé ça assez épouvantable. Ben, tu sais quoi, ce film-là, quand je l'ai vu quand j'étais jeune, là, c'est... je me gardais tout seul quand je l'ai vu, il venait de sortir, puis il y avait un Vidéotron au Walmart qui venait juste d'ouvrir, là, sur mon TPM. Ah, oui, hein? Puis j'avais loué ce film-là, puis je savais même pas que c'était Freddy. Il y avait un Vidéotron où il y a le Walmart? Dans le Walmart. Dans le Walmart? Hey, tu vois, ça, je me souviens pas de ça, pas en tout. Non, ouais, c'est comme la première année, là, la première et la deuxième année, ouais. Puis justement, je l'avais loué justement parce qu'il était des nouveautés, puis j'avais pas catché que c'était Freddy. Ah, moi, j'ai vu Wes Craven sur le cover, fait que j'ai comme, tu sais, je l'ai loué, puis somehow, j'ai eu peur pareil du film. Mais là, on s'aperçoit que justement, après ça, Nancy, elle se réveille. Elle s'était vraiment imaginé tout ça, là, suite à sa chute. Ensuite, on voit en pleine nuit, on voit que Nancy est chez eux, elle dort, donc elle se réveille, elle voit Dylan en train de regarder encore là le film, l'original Nightmare on Elm Street, puis il semble être une somnambule, puis là, à un moment donné, il se réveille en criant, puis là, il chante la continue. One, two, Freddy's coming. Hey. Ah, oh, tellement creepy! Oui, encore là, Nico, tu dis, oh, OK. Il dit à sa, il est, c'est là qu'il dit à sa mère, il dit que l'homme, on sait que c'est Freddy, il essaie de venir dans notre monde. Puis là, on s'en va là, dans une autre séquence où là, on voit Heather au parc avec Dylan. Elle est en train de jaser avec John Saxton, qui jouait son père dans l'original. Donc, qui était tellement beau quand il était jeune, lui, en plus. Un beau bonhomme, ouais, il vraiment. Est décédé, hein, il n'y a pas longtemps. Écoute, c'est ça, je m'en allais dire, rest in peace, John Saxton. J'ai ça dernièrement, ça fait pas bien longtemps qu'il est décédé. Qui avait joué, moi, dans un autre film qui fait partie de mes films préférés ever d'horreur, Black Christmas. Il a joué là-dedans? Il jouait un autre policier dans ce film-là. Vraiment, John Saxon, là, c'est vraiment... Tu sais, moi, je l'ai connu avec Black Christmas, puis après ça, avec Nightmare on Elm Street. Puis là, comme, tu sais, quand il est décédé, j'ai eu un petit pincement, parce que c'est un monsieur que j'aimais vraiment. Ben oui, ça fait partie de notre... Adolescence, notre temps, exactement. Là, ben, ils se mettent à jaser. Je trouve qu'il y a une belle relation entre les deux, entre Heather et John Saxon. Comme... Ben, pratiquement une relation parfaite, on dirait. Exactement. Là. Je trouvais que ça sonnait comme ça. Là, elle raconte à John qu'elle était soucieuse de la santé mentale, de sa santé mentale à elle. Elle dit qu'il y a quelqu'un dans sa famille, ce qui est probablement vrai aussi, qu'il y a un membre de sa famille qui a terminé sa vie dans un asile psychiatrique, là, dans un. C'est une place là, pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Là, puis là, John, il a comme parlé d'événements. Ça, je n'étais pas au courant. Il a parlé de vedettes qui avaient été harcelées. Il devenait paranoïaque parce qu'il avait été harcelé par des fans, genre. Et ces vedettes-là, ils s'étaient mis à voir leur harceleur partout. Donc, hey. Puis là, il donne l'exemple de Sonny Bono, de David Letterman. Ben, ça doit être terrorisant. Ben, c'est tellement drôle. Je fais un parallèle avec notre cast la semaine dernière, Misery. Tu sais, que lui, qu'il avait vu apparaître à la fin. Fait que, tu sais, les gens qui sont harcelés là, par quelqu'un. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'actrices de films d'horreur qui ont vécu ça. Il y a celle qui fait Alice là, dans le premier Friday the 13th qui a été. Elle, ça a été grave parce que je pense que le harceleur il est rentré chez eux dans son appartement où il a réussi là, à s'en sortir, mais que ça l'a fait sortir d'Hollywood parce que ça l'a marqué. Là. Mais justement. Ben, je comprends, donc. Là. Il parle de ça. Tu vois qu'il y a l'influence, puis je pense qu'il y a une grosse partie dans le film aussi, quand on parle de l'impact des films sur la vie des comédiens, des acteurs. Ben, là, John Saxon, il parle de ça, puis c'est là qu'on voit que c'est une partie importante du film, de l'impact que ça a chez les gens qui ont joué dans ces films-là. Tellement que ça devient une fixation chez certaines personnes qui adorent à l'extrême comme nous, mais fois mille, puis qui deviennent fous avec ça, là.
ils se mettent à suivre les personnes partout, puis c'est de l'obsession. Alors, je sais pas, moi, si sérieusement, là, apprendre que Britney Spears resterait à 5 minutes de chez nous, là, j'irais prendre une coupe de marche. Là. Oui, c'est sûr, mais est-ce que tu rentrerais chez elle avec un couteau? Ben non, fais pas mal à Britney. C'est ça. Je te dis, moi, je pense que cette espèce d'obsession-là qui devient maladif, puis que là, ça devient comme vraiment malsain. Que je te vois penser à des affaires de même, faire du mal à Britney, toi. Non, moi, je le ferais pas, là. De toute façon, elle est déjà assez maganée comme c'est là, pauvre. Tu touches à un de ses cheveux, à une de ses rallonges. Tu vois, elles sont faciles à enlever parce qu'elles sont pas très bien faites. Là. Mais bref, on revient à notre parc et là, de John qui raconte ça. Puis là, on voit Dylan qui monte sur une structure, puis là, il est en haut de la structure, puis on a comme l'impression qu'il essaie de rejoindre Dieu. Et là, il va aller voir son papa. Oui, c'est ça. Il va atteindre le ciel pour voir son papa. Et donc là, il tombe de la structure. C'est assez haut. Et Heather l'attrape juste à temps avec qu'il tombe à terre. Mais il a les gosses bénis, cet enfant-là. La chute qu'il a fait de la hauteur, là, elle l'aurait pogné, mais ça serait comme cassé les bras. Là. Ben, me semble, right? Il aurait arrivé quelque chose. Là. Tu peux pas être smooth de même. Là, comme elle a tombé à terre avec, mais lui, ça serait fracturé. Une côte, elle aurait peut-être un bras en mauvais état, mais... C'est arrangé avec les gars des vues. Bon, ben, tu vois, ouais, c'est vrai que c'était super smooth, là. C'est ça, exactement. Là, Heather, elle appelle... Tout de suite après, elle appelle Robert Englund pour lui dire qu'elle reçoit des lettres de son harceleur. Donc, on voit qu'elle avait reçu aussi des lettres du stalker. Là, elle dit qu'elle fait des cauchemars de Freddy. Puis quand on dit des lettres, c'est vraiment des lettres. Oui, vraiment des lettres. C'est carrément des lettres. Oui. Sur des pages de Bible, right? Je sais pas, j'ai pas manqué. Ça se pourrait que ce soit des pages de Bible déchirées. Puis là, comme... Je vais apporter une parenthèse. Quand tu as vu ça, t'as-tu imaginé Freddy en train de faire son bricolage avec son petit briquet puis brûler la page de la Bible? Je me suis dit, là, on fait des analogies avec Freddy où on pense que c'est Freddy, mais je m'imaginais pas Freddy, je m'imaginais le gars. Je me suis dit, c'est qui ce maudit freak-là qui a envoyé des lettres comme ça? Comme... Ben, c'est le même que dans le film The Bodyguard. Oh mon Dieu, tu me ramènes loin. Ouais. Puis là, pendant qu'elle parle avec Robert Englund, lui, il est en train de faire de la peinture. Il peint. Ouais. Il est bon quand même. Puis elle dit qu'elle fait des cauchemars de Freddy. Puis là, lui, il dit pas, mais on semble que lui, il semble faire des cauchemars aussi. Puis là, il est en train de peindre, j'ai marqué, il est en train de peindre un méchant, scary Freddy. Là, un Freddy qui est comme... Ben, le Freddy de ce film-là, là, ouais. Ouais, exact. Donc, il aurait dû prendre ça pour faire le cover du film. Donc là, on retrouve Heather dans le lit. Et là, moi, je croyais qu'il était pour reproduire la scène de l'original. Tu sais, avec Freddy qui pousse contre le mur, là? Ouais, comme, oui, ben, avec, le plan de caméra, il ressemble beaucoup, là, d'ailleurs. J'étais là, je dis, ça me... Hey, j'ai vu ça, je dis, OK. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, OK, ils vont-tu faire ça? Ça ressemblait vraiment, comme tu dis, quasiment pareil, mais finalement, ça s'est pas passé. Puis là, on voit tranquillement des griffes qui commencent à déchirer le matelas, puis à s'approcher du visage d'Heather. Et là, il y a un bruit qui la réveille tout d'un coup, les griffes disparaissent, un peu comme quand elle était dans le bain, puis que les griffes ont sorti dans ses jambes, puis que là, il y a ça, je pense c'est que ça. Mais je faisais le parallèle entre ça, le lit, puis le... Excusez, bon, ça te coupera ça. Ah! Il arrête de... Les Kleenex Ultra Soft avec leur lotion sèche au toucher sont bien plus doux que les mouchoirs ordinaires sur mon petit nez délicat. Kleenex Ultra Baume avec baume protecteur au calendula. Kleenex, touchez la différence. Il y a un bruit, ça la réveille, les griffes disparaissent, puis ils ont quand même laissé des traces sur les draps. Ouais, le drap, il est slashé. Il est slashé, là, tu dis... Moi, dans la vraie vie, on a vécu ça, là. Je sors de là, je pogne mon enfant. Ouais, oui, c'est ça, là. Mais apparemment, non, apparemment, elle se dit, ben, je suis Nancy. Là. Celle qui l'a combattue la première fois, je suis capable. Toi, je te l'avais dit qu'elle était bitch. Dylan, il est somnambule encore une fois. Là, il chante encore la comptine de Freddy. 1-2, Freddy's coming for you. Heather, elle s'approche, elle voit Dylan qui s'est fabriqué des griffes avec des couteaux. Hey. Et que là, il pogne une fitte qui essaie de griffer sa mère. Et là, on voit qu'elle se réveille, donc c'était un rêve encore là, un cauchemar. Le téléphone sonne, elle répond, puis là, encore, un hommage à l'original. C'est la voix de Freddy, puis là, on recrée la scène de la langue qui sort du téléphone. Ah, c'est dégueulasse! Ouais. Là, il vomit tout de suite après. La bave qui sort de la bouche, la bave qui sort du téléphone. Puis là, il est en crise solide. Puis là, ben, justement, ça l'amène à dire, hey, on va aller à l'hôpital.
Puis c'est là qu'on voit que le téléviseur, parce que là, le jeune, il était à terre, puis il faisait le tour des lettres. Là, il avait mis toutes les lettres ensemble, puis c'était écrit « Answer the phone ». C'est poche, le message. Oui, ça aurait pu être plus... Tu sais, c'est comme... Puis pourquoi qu'elle écrit ça? Il savait-tu qu'elle allait... Ben, c'est là que tu vois que c'est surnaturel, dans le fond. J'ai eu toutes les questions qui s'est posées en même temps que ma phrase dans ma tête, puis j'ai fini par y répondre. Ben oui, tu t'es posé la question, puis en deux secondes, tu as répondu. Je fais ça dans la vie, moi. Bravo, on n'a pas eu besoin de le faire. Ben oui, je suis capable. On les retrouve à l'hôpital, il y a l'infirmière. D'ailleurs, petit fait que j'ai appris aujourd'hui même, l'infirmière qui est jouée, l'infirmière qui s'appelle Christine Hefner, ben c'est jouée par l'actrice Fran Bennett, que j'ai trouvé même avant... Quand je l'ai vu, j'ai dit, elle pourrait faire quelque chose de creepy comme personnage. Mais ça, c'est pas une nurse, ça, c'est le docteur, tu parles. Non, c'est-tu... Je pense que c'est une infirmière, mais une chef infirmière, c'est, elle n'est pas médecin. Non! Non, elle, vraiment, c'est comme la chef infirmière. Elle joue le rôle du Dr. Hefner. C'est pas pour Hugh Hefner de Playboy, là. C'est une inspiration, ça a l'air que... Tu sais, quand on dit l'influence de la fiction sur la réalité, le nom Hefner, ça vient supposément à l'époque... C'était celui qui était à la tête du... NPA. Parce que là, ce qu'on apprend, c'est que l'infirmière Hefner, elle arrête pas de regarder Nether en disant « OK, c'est toi qui jouais dans les films épeurants. Tu vois, quand elle regarde Nancy Croche un peu, ben c'est, il faisait le parallèle entre le monsieur Hefner du NPA. C'est un peu comme le bureau de censure aux États-Unis. Qui, lui, il critiquait beaucoup les films d'horreur. C'est un peu le personnage qui vient un peu mettre en doute. Ah, ouais, mais tu sais que les films d'horreur, c'est pas bon pour les enfants. Tu sais que ça peut avoir une mauvaise influence. T'es-tu sûr que c'est pas toi qui as fait ça? Fait que c'était un peu pour faire un parallèle avec ce que lui avait vécu. Mais t'imagines-tu quand il a vu le film, lui, après, il a dû juste faire comme. Ah, il est ben chier, lui, calliste. Ouais, il a pas dit. S'il a fait le lien, parce qu'il était peut-être pas smart non plus, là, mais il a peut-être fait le lien ou pas. Je pense que si. Avait une job aussi importante que ça, il va avoir quelque peu un petit peu d'intelligence. Mais en même temps, regarde. Ben écoute, Donald Trump, là. Fait que. Tu viens tellement de me faire ma gueule, drette, là. Écoute, moi, c'est depuis Donald, là, tout est possible. Fait que moi, je ne prends pas rien pour acquis. Là, l'infirmière qui dit que les films d'horreur, ça peut affecter les enfants. Les enfants instables. Les enfants instables et tout ça. Puis là, t'as l'autre qui est genre, Dylan's not unstable. Quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris, fille, là? T'es vraiment pas bien. Donc, et là, on voit une infirmière qui arrive. Et là, je sais pas si tu as remarqué, c'est Lynn Shay. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est la sœur de Bob Shay. Je sais pas si tu savais. Ah, c'est sa sœur. Je pensais que c'était sa femme. Non, c'est la sœur de Bob Shay. Fait qu'elle a joué dans beaucoup de films de New Line. Insidious. Lynn Shay a joué là-dedans, puis elle fait l'espèce de quoi, médium. On dirait juste une médium. Ouais. C'est celle qui arrête pas. Moi, là, sa voix, elle m'écœure quand elle dit, elle arrête pas de dire The Further. Tu sais, là, dans. Ah oui. Elle dit, Welcome to the Further. Ouais, mais en tout cas, elle s'est rendue un rôle principal dans un film d'horreur assez majeur. Ben, rendue Scream Queen, c'est la plus vieille Scream Queen à se faire nommer. Pour le vrai, ah oui, hein? Ouais. Mais écoute, moi, je l'aime beaucoup. Mais moi, c'est parce que pour ceux qui ne savent pas, Lynn Shay, elle a joué dans l'original en Nightmare on Elm Street. C'était l'enseignante. Ah oui, celle qui fait les petits bras awkward, là, quand elle se fait. C'est fucking drôle. Et moi, elle m'a fait assez. Première fois que j'ai vu le film, le premier, quand Nancy a pété une coche dans la classe là. Ouais. Puis là, quand elle s'en va, là, puis qu'elle va reprendre le cours, elle lève ses bras, genre comme bon. Oui, après ses belles paroles. J'avais oublié là. Ça. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est Lynn Shay qui a un petit rôle, le rôle d'une infirmière dans ce. Ben, il y a aussi la fille de Wes Craven qui fait un rôle. L'infirmière avec l'aiguille, là, c'est la fille de Wes Craven. Ouais, tu vois, je leur ai donné des noms tantôt. Là. Ah ouais? Ah, cool. Ouais, ils ont des noms. Là. Donc, c'est ça. Donc, Lynn Shay, elle arrive, elle est vraiment gentille. Elle prend soin de Dylan. Finalement, après Dylan, il faut qu'il reste à l'hôpital. Puis là, à la radio, je pense que c'est quand Heather, elle s'en va en voiture. On entend parler des secousses sismiques là, à la radio, des tremblements de terre. Puis là, on voit quand elle s'en va, il y a plusieurs structures qui se sont écroulées. Puis ça faisait vraiment un parallèle à ce qui s'était passé. En Californie dans ces années-là. C'était des vrais plans, des structures qui ont été brisées, ils ont été prendre des footage justement de ça. Fait que c'est a film within reality. C'est comme. C'est vraiment cool. C'est arrivé au bon moment, ce film-là. Tout à fait. Ils ont vraiment incorporé quelque chose de très, très actuel. Puis c'était cool quand même qu'ils fassent des parallèles. Alors là, Heather, elle s'en va en voiture, elle se rend
chez Wes Craven, avait son adresse, c'est déjà un bon acteur. Non, c'est ben, il fait son possible pour lui. Ouais, mais c'est correct, c'est Wes, là. Il fait qu'est-ce qu'il veut, lui. Moi, je pardonne à Wes. Ben ouais, tout le monde pardonne à Wes, là. Fait que là, Wes est en train d'y parler, là. Il dit ouais, je suis en train de faire un script, là, bon, le scénario, je suis en train de l'écrire. Puis là, il dit que Freddy veut sortir du monde des rêves pour aller dans la réalité, dans son script. Puis là, elle regarde ça, puis il semble écrire l'histoire de ce qui se passe dans la vie de Nancy. Ben, il semble pas, il l'écrit, c'est dans son ordi exactement, c'est ça, exactement. Comme donc, mot pour mot, qu'est-ce qu'il vient de se dire. Alors, on se croirait dans un roman de Stephen King qui a produit après ça. Tellement nice. En tout cas, à mon avis, je pense pas que ça avait été fait avant, moi que je ne sais pas. Là. Peut-être que c'est, ça a été fait puis je ne connais pas, mais c'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça à l'époque. Là, c'est que ben ça, on va recevoir plein de lettres. Là. Pas vrai. Et on vous promet là, que si quelqu'un nous dit oui, ça existe, il y a telle chose, puis qu'on s'aperçoit que c'est vrai, on va même vous nommer. N'ayez pas peur. On va pas les déliter du compte puis prendre le crédit. Non. I'm such a bitch. Oui. T'es comme Heather. Je suis comme Heather. Donc, Heather est en train de lire sur les délais paranoïaques des enfants. Donc, le manque de sommeil qui crée vraiment un débalancement chez l'enfant. Donc, elle est en train de lire là-dessus. Puis là, à un moment donné, la télé, elle s'ouvre toute seule. Tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde. Fait que là, la télé s'ouvre. Là, les affaires bizarres qui arrivent. Panne d'électricité. Manque d'électricité. Lumière qui s'éteint. Là, la porte du garde-robe qui s'ouvre, s'arrête de brasser, qu'elle veut fermer la porte du garde-robe, et là, tout d'un coup, You miss me! Ah. Freddy qui sort. Hey. Et ça, je me souviens, quand j'avais vu la première fois, j'avais fait un saut sur un temps, là, comme dit? Quand Kelly sort du garde-robe, c'est comme s'il avait tassé le linge qui était là, puis qu'il dit, tu sais, Miss me, puis là, hey, hey, puis c'est noir en arrière, puis ça, ça aurait été tellement cool que ce soit Robert Englund qui se fasse posséder par cette entité-là, puis qu'il devienne Freddy, tu sais. Ouais, ça aurait été sharp. Mais ouais, continue, ouais, c'est normal, moi, tout, j'ai fait le saut en temps, puis je l'ai fait encore en l'écoutant là. Ouais, ben, moi, je l'appréhendais, puis quand il est sorti, j'étais là, hey, c'est tellement efficace, là. Ça marche pas pour moi, ça, appréhender quelque chose. Non. Non, sérieux. C'est toujours une seconde avant ou une seconde après. OK. Mais écoute, c'était pour les gens qui vont l'écouter la première fois, là, qui vont le regarder la première fois, c'est vraiment efficace. Fait que là, ils se mettent à se battre. Encore là, ça me rappelait dans l'original quand ils se battaient Freddy puis Nancy un peu. Là, mais Freddy, en mieux, griffe, là, en beaucoup mieux. Il slash ça, un coup de griffe sur le bras. Puis là, elle semble se réveiller de la blessure. Elle semble se réveiller avec la blessure bien réelle. Puis là, elle se dirige vers l'hôpital. Là, il y a sa gardienne Julie qui est là à l'hôpital. Elle dit... elle a fait un cauchemar. Elle a déjà fait un cauchemar, puis là, je veux voir Dylan. Laissez-moi le voir. Là, l'infirmière, elle vient traiter Heather pour ses lacérations. Là, tu dis, OK, là, elle a eu ça dans son wannabe rêve, mais là, elle a ça quand même sur le bras. Donc, il y avait un autre petit rappel avec l'original. Elle va voir Dylan dans sa chambre. Il dort, puis elle s'assoit. Puis là, elle semble tomber endormie. Elle cogne des clous. Là, c'est comme ça, elle se réveille de son mini-somme qu'elle a eu. Là, Dylan se réveille. Il ouvre le truc de plastique qu'il couvrait. Il dit avec une voix de Freddy, là, je suis vraiment près de toi, Nancy. Ah oui, puis là, puis il vomit de la diarrhée dans la face, là. Hey, et j'ai marqué, il vomit sa vie. Hey, c'est dégueulasse, un gros stuff brun. Hey, et tu l'as grêlé dans la face. Hey, pauvre Nancy qui a reçu cette espèce de boîte-là dans la face. Puis elle, en plus, elle a la brillante idée de crier en même temps, là, oui, c'est ça. Qu'elle a eu du fudge dans la bouche. D'où vient l'expression mange de la marde? Oui, là, elle a vraiment mangé, là. Je sais pas c'était quoi. Fait que là, l'infirmière qui arrive sur place, et là, à un moment donné, elle se met à se transformer en Freddy. Puis là, Heather, elle se réveille. Elle avait rêvé à ça. Puis là, Julie est partie avec Dylan, finalement, pour aller faire d'autres tests. Fait que là, Heather, elle dit, ah ouais, fait que là, elle se dirige vers la salle de test. Elle s'en va de là. Là, il y a une autre infirmière qui demande, tu sais, as-tu ta passe pour être dans cette section-là, dans cette zone-là de l'hôpital? Et là, elle lui dit, et encore une fois, comme dans l'original, quelqu'un qui est dans sa classe, puis qu'elle se met à rêver, puis elle voit Tina se faire tirer, puis elle se met à courir pour essayer de rejoindre. D'essayer de voir aussi qui était Tina, puis elle rentre dans une espèce. C'est qui cette fille-là? C'est une. Ah, je sais pas, elle était dans tabarnak. Ouais, puis elle était une genre de surveillante qui dit. Et c'est Freddy de Lulu, là. Elle dit screw your pass. Ben là, encore là, elle fait la même chose avec la fille de l'hôpital, l'infirmière. Puis là, elle retrouve Dylan, là, elle dit Ah, Freddy se rapproche. Fait que là, elle dit je vais aller te chercher ton dinosaure Rex à la maison. Puis là, il dit encore là, un autre dixième clin d'œil de l'original. Puis là, elle lui dit à Dylan,
don't fall asleep. Que je pense qu'elle avait dit à Johnny Depp, à son chum dans l'original. Don't oui, puis il était censé, d'ailleurs, Wes Craven, il voulait le faire revenir pour la scène de funérailles là, de Chase, puis il a été trop gêné. Tu sais, c'est drôle, oui. Selon moi, hiérarchie Wes Craven vraiment au-dessus de Johnny Depp, puis lui, comme, ben tu sais, regarde, c'est niaiseux, c'est super superficiel, là, ce que je viens de dire, mais reste quand même, tu sais, le dos, il était gêné d'appeler Johnny Depp parce qu'il était devenu une superstar. Puis Johnny Depp, il dit, Chris, t'aurais dû m'appeler. Là. Mais écoute, on revient à ça. Donc, elle, 10e référence, Don't Fall Asleep. 11e référence, une mèche de cheveux grise. Parce qu'elle a eu trop peur, fait que ça a comme déteint. Exactement. Là, il y a des gardes de sécurité qui viennent, qui amènent Heather dans une salle afin qu'elle se fasse questionner par l'infirmière en chef. Là, Julie qui est restée avec Dylan, puis là, elle essaie d'empêcher l'infirmière. On voit que l'infirmière qui essaie de donner une piqûre, tu sais, elle a une piqûre, puis elle dit que si tu veux faire avec ça, je vais endormir Dylan pour qu'il puisse dormir. Ben, la grosse manipulation, là, justement, là, pour empêcher Julie d'y aller, fait que l'autre, elle prépare la piqûre dans sa face pour la tenir occupée, puis la fille de Wes Craven. Puis là, ça va venir, tu vas voir les noms que je leur ai donnés. Là. Fait que là, t'as l'infirmière qui est en train de préparer ça. Là, Julie qui dit, hey, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Il a besoin de dormir vraiment. Là, Julie qui veut pas, là, elle a dit, tu le laisses pas faire, là, ouais, c'est ça. Pas ça. Pendant ce temps-là, l'autre, elle pique en hypocrite, l'autre infirmière. Là, je l'appelle l'infirmière hypocrite. Hey, non, mais tu vas à la face. Tu sais, quand elle pique, puis qu'elle la regarde, puis qu'elle fait sa face de coup. Si j'avais le pouvoir, je te prendrais en arrière de la tête, puis je te fesserais dans un mur. Ben, si tu vois, j'ai marqué là, Julie, elle te ramène un bon job à l'infirmière numéro 1. Bien. Puis elle est vraiment KO. Puis là, l'infirmière numéro 2, l'hypocrite, elle dit à Julie, hey, tu peux pas faire ça. Moi, je peux piquer des enfants, mais toi, t'as pas le droit de. Ouais, c'est ça. Hey. Tu n'as pas le droit. Fait que là, tu vois, l'autre, l'infirmière hypocrite, qui menace Julie avec son aiguille. Puis là, Julie a dit, ah ouais, j'en ai une aiguille, moi aussi, elle commence à la menacer avec son aiguille. Puis là, elle fait peur à l'hypocrite, puis l'hypocrite, elle saute. Et là, pendant ce temps-là, la boss des infirmières, elle interroge Heather. Donc, elle lui demande si elle prend de la drogue, puis si elle avait des antécédents de santé mentale dans sa famille. C'est là, toujours ça, un infirme, t'as pris de la drogue, là. Tu as pris de la drogue. Moi, j'ai jamais pris aucune drogue qui m'a fait voir Freddy. Okay. Non, c'est ça. C'est jamais arrivé, là. Et là, elle parle de délire ou de vision paranoïaque. Elle dit c'est ça. Et là, on se ramène à Julie qui est avec Dylan, qui cogne des clous. Il est en train de s'endormir. Puis je pense que là, il s'est comme endormi. Puis là, à un moment donné, on voit, tu pas, lui, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un derrière Julie. C'est Freddy ou l'entité qui est là. Ah, ouais, qui pop en levant, là, en arrière, là, qui fait juste apparaître, là. Puis là, et là, j'ai marqué encore là, un 12e rappel à l'original. Julie qui se fait tirer au plafond comme Tina dans l'original. Se fait massacrer. Tellement mieux, là. Puis là, elle se fait massacrer, elle se fait, tu pas, slasher, maganer. Puis en plus, juste avant, il dit Julie behind you, puis ça fait un précurseur à Randy behind you dans Scream. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, t'as raison, c'est vrai. Freddy, finalement, il tue Julie, elle tombe à terre. Là, les cris de Julie attirent tout le monde dans la salle. Heather, elle rentre dans la salle avec le monde. Elle voit Julie morte par terre. Un coup de coude à l'infirmière numéro 1. Ben, c'était pas prévu, hein? La femme a vraiment eu mal quand elle lui a donné, puis c'est pour ça qu'elle est sortie. Parce que ça, j'ai trouvé ça drôle, justement, quand il ramène un coup de coude dans le ventre, puis elle saute. Ça a l'air vraiment là, un réflexe automatique, ça n'a pas l'air scripté du tout. Là. Non, je suis moins, mais en plus, ils ont rajouté un sound effect, mais tu le vois là, que ça y a. Oui, qu'elle garantit. Ah, c'est drôle, ça. Hey, toi, avec sa petite tresse française. Là, là Dylan n'est pas est plus dans la pièce. Là, elle réalise que Dylan a peut-être quitté l'hôpital en étant somnambule. Fait que là, à part à la recherche de Dylan, là, on voit Dylan qui est rendu dehors, proche de l'autoroute. Il traverse l'autoroute. Fait que là, lui, ah, ben, c'est stressant, cette scène-là. Même si tu vois l'écran, là, qui était très. T'as pas remarqué, toi? Non. Ah, moi, j'ai. Là, je réécoute. L'as-tu écouté avec le Blu-ray? Je pense que oui. Parce que si c'était avec le Blu-ray, peut-être qu'ils l'ont restauré. Parce qu'ils ont fait ça avec Scream. OK, ah ouais? Dans Scream 2, à un moment donné, tu vois un caméraman dans la scène de Sarah Michelle Gellar, puis dans le Blu-ray, tu le vois pas. Ils l'ont comme. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais ils l'ont enlevé. Mais toi, tu l'as vu sur le DVD? Ouais, je l'ai vu dans le DVD, dans le case, puis ça paraissait, là. Tu voyais beaucoup l'écran, puis le contraste entre. Mais tu sais, pour le purpose du film, là, ça fait un job. Ça avait l'air de quelque chose de pas monté aujourd'hui. Puis tu sais, c'est stressant, tu vois comme.
tu sais, Dylan qui traverse, les voitures qui passent pas, je vais le frapper. Puis là, tu vois comme Freddy dans le ciel qui, avec ses griffes qui lève de terre. C'est weird, là, mais que. Ah, puis ben, c'est parce qu'il niaise Heather, là, il est en train de la faire paniquer, là. C'est. Hey, c'est... Ouais. Heather qui court après Dylan, elle se frappe par un char, va sur le pare-brise de la voiture, elle s'en va de là. Puis là, c'est drôle parce que ma fille, elle est arrivée sur le moment que je suis en train de regarder cette scène-là. Puis là, elle dit, hey, la madame qui vient aider Heather, elle ressemble à Manon Massé. Tu sais, Manon qui a une moustache, je sais pas si c'est qui, la politicienne. Attends, je vais voir, je vais aller la voir. Manon avec une moustache, j'adore. Trouve ça, tu vois, Manon Massé de Québec solidaire. Écoute, c'est elle, ma fille qui rentre dans la chambre, je suis en train de regarder ça, puis elle me dit, trop raison, c'est vrai, ça m'a mal pensé. Mais elle est vraiment épeurante, Manon Massé, hein? Fait que, ouais, ben en tout cas... Elle a l'air, genre, d'être la femme du poltergeist. C'est le monsieur, là, dans Poltergeist, là, qui est un peu creepy, là. Oh, ben, tu parles-tu dans le deuxième? Oui, ça a l'air de sa femme. Mais bref, elle se fait relever, elle rentre chez elle, là, elle se rend compte que John Saxon est là. Mais là, lui, c'est comme si c'est devenu comme dans l'original. Il est son père, puis lui, non, il m'appelle pas John, je suis vraiment ton père. Puis il a pas l'air de. Ouais, ça, il a pas l'air de catcher, genre, ben, c'est parce que lui, il a accepté le rôle. Fille, ouais. C'est ça, exactement. Fait que là, c'est comme dans le film, elle a dit OK, merci, papa. Puis t'as vu leur linge change, ouais, comme. Elle revient avec son pyjama original. Mais lui juste avant, il était pas habillé comme ça quand il est arrivé. Puis là, ben, en sortant, il a changé de linge. Police avec son la gun, maison, elle change tout. La maison originale de Freddy. Ben, Wes Craven, c'est ça qu'il dit, puis c'est bien monté cette scène-là, parce que pendant qu'ils sont en train de parler, Freddy, il sort du lit de Dylan, quand il est en train de devenir dans la réalité. Puis c'est vraiment quand elle accepte. 13e clin d'œil à l'original. À la fin, il déchire, il sort du drap quand. Ah, ben là, c'était vraiment épeurant, là, cette partie-là. Quand il lève du. Quand il sort du lit, qu'il s'en vient chercher Dylan, dans le fond. Là. Quand que Nancy a dit I love you too, daddy. Ça, c'est comme, dans le fond, ce qui confirme qu'elle accepte de prendre le rôle de Nancy pour combattre le démon. Puis c'est à ce moment-là qu'il ouvre le drap, genre, OK, là, ça y est, je suis là, là. Encore une fois, la bataille entre le bien et le mal, là. Puis là, tu vois, Freddy sort de la nuit. Là, oui, mais, tu sais, c'est comme si je te dis, je sais pas, moi, c'est comme s'il avait appelé le film Scream, en français, il avait appelé ça Cri. Ouais, c'est ça, exactement. Ça arrêtait poche. Ne manquez pas la sortie cinématographique du film Cri 4. Oui. Cri 4. Oui, bonsoir, ici Pierre Bruno, écoutez Cri 4 après le téléjournal. Alors, on a dérogé, ouais, c'est ça. Freddy qui amène Dylan dans son monde. Et là, Heather voit une trace genre de somnifère, un lien avec Hansel et Gretel. Puis... J'avais peur que tu dises qu'elle voit une trace de break. Ça aurait pu, mais moi... Ben oui, il a vomi de la mort chienne, dessus là. Tantôt. Oui, c'est ça. Puis avant la chienne, tu fais des traces de bec. Avant qu'une chienne. Tu fais des traces de bec de Dylan. Un petit pet de sauce. En tout cas, là, elle suit la trace des somnifères, tu sais, les pelules qui étaient laissées par Dylan, comme les... Pour ceux qui n'ont jamais lu... C'est que le père d'Ansel et Gretel, il est père dans le bois, puis eux autres, ils ont réussi à se retrouver parce qu'ils avaient mis des... C'est quoi, des bouts de pain, si Ben, c'est des graines de quelque sorte, là. Ouais, des grains ou des roches. En tout cas, il avait laissé un chemin, mais là, c'est ça. C'est un peu un rappel à Ansel et Gretel, Dylan, qui avait laissé des pilules pour montrer à sa mère, « Garde, suis ça, tu vas me retrouver. » Donc, elle rentre dans le lit devient un passage vers le monde de Freddy. Là, ils se retrouvent là, ils se battent. Mais c'est l'enfer, là. Mais il y a une référence encore à Ansel et Gretel à cause du four, parce que Ansel et Gretel, ils réussissent à pousser la vieille sorcière dans le four, puis elle brûle, là. Le parallèle qu'ils faisaient, c'était avec, justement, Freddy en tant que tel, le premier, là. Le fait qu'il brûle, le fait qu'il se fait enfermer dans sa maison pour brûler, ben c'est un peu la même chose ici, là. Il se fait enfermer dans le foyer pour brûler. Ben, il y a un lien avec ça, puis il y a un lien avec Ansel et Gretel, fait que... Puis je pense qu'on voit même l'image... de la vieille qui se fait pousser ou qui est dans le four. Mais quelle belle histoire à raconter à des enfants avant d'aller s'endormir. C'est ça, je te dis, là, il peut bien être fucké. Tu sais, t'as qu'à ça, donne-y sa poupée de Chucky pour s'endormir avec. Hey. Et avant, on a la poupée de Chucky. Oui, comme 500$. C'est cher. Oh, j'en veux. Ouais, mais c'est correct pour nous autres, mais avec des enfants, en tout cas, non. Fait que là, c'est ça, il poursuit Dylan dans un four. Dylan réussit à s'échapper du four. Avant ça, elle arrive. Dans l'enfer, elle cherche, puis elle trouve le script à terre. C'est pas un film en tant que tel, c'est sa vie. Exactement. Hey, j'aurais vraiment été une bonne Heather. C'est pas un film en tant que tel. C'est. Sa vie.
J'aurais vraiment été une bonne Heather. Oui, vraiment. Hey. Avec le côté bitch que t'as des fois, là, oui. Ah, ouais, non, moi, je suis pas. Tu trouves que je suis bitch? Oui, c'est vrai que je suis bitch. C'est pas moi qui te le dis, c'est toi qui le dis tantôt. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est moi, il est pas à défendre. OK, poursuivons. Moi, oui, c'est ça. À un moment donné, il y a la langue. Freddy, il sort sa langue. OK, la ben là, dans le fond, il y a le ce qui se passe. OK, elle trouve le script. Après ça, ouais. Dylan y arrive, il fait peur. Elle demande où est-ce qu'il est. Il dit, je sais pas, il va lâcher. Puis à ce moment-là, il pop. Il l'attaque. Puis là, ben, il y a une espèce de vase qui pète avec plein de serpents qui pop. Ouais. Puis après ça, puis ben, là, c'est là qu'il. Le serpent, il prend le serpent, puis il rentre ça dans l'œil. Ouais, justement, c'est comme. T'imagines-tu, Fred, elle, chez l'optométriste, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? J'ai reçu un serpent dans l'œil. Un serpent dans l'œil, il m'a perdu. Ben ouais, dans l'œil. Okay. Après c'est ça, normal. Encore une grosse bataille, il y a slash dans le cou, elle se ramasse avec comme des graphings là, dans le cou. Dylan, il était se cacher dans le foyer. Freddy le trouve, là, il allonge son bras. Puis après ça, ben c'est ça, là, il pogne le jeune, il ouvre sa gueule fucking grand avec la langue qui va. Là, après ça, elle arrive, elle reprend le contrôle un peu de la fête, lui, il s'en va se cacher. Puis là, ben elle essaie de trouver une façon de tuer Freddy puis de se battre avec, puis tout ça. Puis lui, il finit par passer à travers un autre foyer parce qu'il y a un serpent qui bloque son chemin. Moi, sérieusement, avoir été jeune, j'aurais juste pogné le serpent, je l'aurais mis autour de mon cou, puis je me serais pris pour Britney. Profite-en, là. Oui, ça arrive combien de fois dans ta vie que tu vas avoir un serpent comme ça? Fais une Britney, ben oui, toi. Ben oui, pourquoi pas? Innocent. C'est tellement naturel. Ben, ça l'est pour moi, en tout cas. Et là, c'est ça, les serpents. C'est là, justement. Il passe par le bord, finalement. Freddy finit par rentrer dans le foyer, elle finit par le pousser, puis fermer la porte, puis là, ben, en fermant la porte, Freddy arrive là au bord. Puis c'est là qu'il dit Give me a kiss ou quelque chose de même. Là. Ouais, c'est ça. Puis ben, il passe sa langue partout, encore une fois, ça s'en tourne autour de elle. Puis là, Dylan y arrive, il prend le couteau. Avec un coup de couteau dans la langue. Il essaie. C'est comme catch la langue. Ah ouais, let's go. Ben ouais, c'est ça. Il essaie de dire Ok, je vais avoir le. Il réussit à rentrer le couteau dans la langue. Puis là. Puis là, ben, c'est ça. Freddy se fait pitcher dans le foyer, part le feu, passe au feu, devient démon. Puis là, il devient un genre de démon avec après ça, la face commence à fondre un peu. Ben, tu vois, je pense que c'est son vrai visage. C'est de ça qu'il a de l'air. L'entité que Wes parle. C'est le vrai visage de l'entité, là, oui. Parce qu'en gros, pour bien comprendre ce que c'est que l'entité, le evil que Freddy représente, il était prisonnier de la franchise. De ouais, Nightmare on Elm Street. Il vivait là-dedans, il continuait à faire peur. Donc, le démon, dans le fond, en faisant peur, il restait vivant d'une certaine façon. Mais là, en finissant la franchise, ben, le démon, il avait plus de vie, fait qu'il a essayé de trépasser dans la réalité. Exactement. Fait que c'est pas Freddy Krueger, il a juste pris la forme comme telle de Freddy Krueger. Exact. Puis on a vu. Exactement. Puis là, ben, quand il se fait tuer à la fin, quand il se fait brûler, ben, on voit sa vraie forme. C'est mal fait, mais il est lettre pareil. À l'époque, c'était correct parce qu'il n'avait pas les effets d'aujourd'hui. Fait que c'était comme, tu sais, on pouvait l'accepter. Mais c'est sûr que là, que le recul, on est biaisé parce que moi, je me suis dit, tu sais, c'est pas trop hot, mais en même temps, il faut se reporter à 94 quand que ça a sorti. Là. Ben, tu sais, c'est un peu de calibre Wishmaster, là. Oui, exactement, façon, j'ai pensé à la même affaire. Ah, bon, et voilà. Ouais, vraiment, j'ai vu ça, puis j'ai dit, OK, j'ai passé au Wishmaster, vraiment, là. Ouais. Fait que là, ben, c'est ça, tout est sur le point de sauter parce que ce démon-là meurt, fait que, je pense que son univers va mourir. Hey, j'ai comme décidé de prendre ta place, moi. Ben, tu fais bien parce que moi, j'ai arrêté bien rapide avec la fin, là, parce que, tu sais, il détruit le monstre puis sa réalité. Dylan puis Heather. Ce qui fonctionnerait aussi. Ce qui pourrait fonctionner. Donc, les deux, ils sortent de sous les couvertures, tu sais, ils se lancent dans l'eau, là, et c'est comme s'ils sortent du monde-là, puis là, Heather a trouvé une copie des événements du film dans scénario, puis... Avant ça, elle enlève le drap, puis tu vois fucking plein de poussière. Je suis comme, si bol, fais le ménage, bâtard! Oui, là, appelle... Elle s'appelle Adèle, là, pour qu'elle aille faire le ménage. Tu sais, c'est pourquoi quoi, Adèle? Mais pas Adèle la chanteuse, mais Adèle... Je sais pas pourquoi je la vois. Welcome to the other side! OK, c'est ça, mais... C'est une compagnie qui s'appelle Adèle qui fait le ménage. Pour ça, je dis appelle Adèle. Ah, oh, d'ailleurs, c'est écrit les remerciements de Wes pour avoir vaincu Freddy, puis d'avoir joué Nancy une dernière fois. Merci d'avoir perdu ton mari, d'avoir perdu ta gardienne. Ouais, c'est ça. Merci quand même aussi du coup de coude que tu as donné. Puis, donc, puis c'est ça. Donc, la victoire a contribué à emprisonner à nouveau l'entité du monde fictif de la franchise cinématographique. Puis là, Dylan demande si c'est
c'était une histoire? Puis elle a dit que oui, c'était une histoire. Puis elle lit les pages à son fils, comme où était rendu à ce moment-là. Et c'est la fin. C'est la fin. On fait le saut avec, avec le générique qui apparaît, puis là, on a le droit à un petit remix de la chanson. Super push. Ah, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des quotes que tu as retenues, toi, Bob? Oui, juste avant qu'il se fasse mettre un serpent dans l'œil, Freddy, bien sûr. Avant ça, il pogne la face à Heather, puis il met un serpent, puis il dit « Take a pat for your rugrat, bitch! » Ah oui, 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 c'est vrai. Moi, la mienne, ma quote que j'ai retenue, c'est, tu sais, à un moment donné, Robert, puis... Robert Pieter. C'est rendu ton grand job, c'est mon ami Robert. Bon, on va aller manger ensemble bientôt. Moi, tu connais Robert De Niro? Robert. Robert Englund, tu sais, quand il parle en sortant du plateau, ils jasent ensemble. Puis là, Robert qui dit à Heather, je pense que les gens aimeraient ça nous revoir ensemble encore. Puis là, elle dit quoi dans une comédie romantique? Puis lui, il dit, c'est pas parce que c'est une histoire d'amour qu'il pourrait pas y avoir une décapitation ou deux. Je trouvais ça cute. Ah, ma chérie, viens-t'en, je vais prendre ma machette puis je vais te péter une moche. Oui, c'est la nouvelle mode. Veux-tu y aller avec ton coup de cœur et ton coup de couteau? Bien sûr. Donc moi, mon coup de cœur, je te dirais que c'est vraiment l'univers unique du film. T'as comme trois dimensions dans ce film-là. T'as le film Nightmare on Elm Street, t'as le film Wes Craven's New Nightmare, puis t'as la réalité, puis les trois qui merge. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est vraiment une belle introduction à l'ère du méta. Fait que je te dirais que c'est comme Wes Craven's Mind, I guess, qui est comme mon coup de cœur de ce film-là. Moi, j'ai indiqué comme coup de cœur, Freddy était peur à nouveau. Même si on le voyait pas beaucoup, parce que je pense qu'on l'a vu quoi, quasiment au bout d'une heure, là, je sais pas trop, mais puis pourquoi je te dis ça là, c'est parce que moi j'essaie aussi de me rappeler le feeling que j'avais à l'époque quand il est sorti, puis je suis allé le voir. Tu sais, quand il dit Miss Me, oui, vraiment. Oui, vraiment. Je m'ennuyais de ce Freddy-là. Donc, ça, c'est mon coup de cœur de le voir encore épeurant. T'as-tu un coup de couteau? Mon coup de couteau, moi, ça a été que Robert Englund ils disparaissent du film. Ouais, c'est vrai qu'il a disparu vite, hein. Il est mieux pour aller le voir. Je sais pas si. Il me semble d'avoir vu qu'elle voulait aller voir ou elle l'avait appelé puis il répondait pas, ça tombait sur la voix de vocale puis il était parti en vacances. Non, elle l'a appelé. Ouais, c'est ça. Ben, elle l'a appelé une fois quand il faisait sa peinture puis il a dit c'est pas vraiment un bon moment puis tout ça. Ouais, c'est puis, ça. Puis après ça, elle l'a rappelé quand elle est sortie de l'hôpital avant d'aller voir Wes. Puis c'est là qu'il a laissé un message comme quoi qu'il était parti. Ben, c'est ça. Ça aurait été cool qu'on voit à ce moment-là quelque chose, juste un footage quelconque qu'on voit que Robert Englund est devenu Freddy ou quelque chose comme ça. Tu sais, comme Heather devient Nancy. Ça aurait été cool d'avoir un. Mais, coudonc. Moi, personnellement, mon coup de couteau, c'est la fin. Moi, j'ai trouvé que c'était précipité. J'ai pas accroché beaucoup. Tu sais, c'est peut-être pour ça, tantôt, je l'écris vite. C'est parce que j'ai pas trouvé que c'était iconique. Ça aurait pu être meilleur. Ça aurait pu être. Ben, plus, c'est vrai que c'est garoché un petit peu. Comme ouais, c'est, j'ai trouvé ça vraiment précipité. C'est la fin facile. Tu sais, on s'entend. Le film, par moment, c'est comme. Ça prépare lentement à ça. Freddy apparaît tard. T'sais, on se dit, oh, je le trouve vraiment badass. Là, Freddy Ladin est vraiment épeurant. Puis, on le voit un peu à la fin. Puis, comme, je trouve ça précipité. J'aime pas ce monde-là. Il y a eu beaucoup de clins d'œil en passant. Il y a eu certains clins d'œil aux autres films. Tuesday Night. Tuesday Night. Donc, c'est ça. Est-ce un nom de merde? Ça y aurait pris un gay dans ce temps-là pour y dire, girl, no. Non. Bitch, please. Est-ce qu'on donne la note tout de suite qu'on y a donné? Ensuite, ben, attends, j'irai avec la morale. La morale, dans le fond, moi, la mienne, elle tourne vraiment autour du film, mais plus à sa conception en tant que telle. C'est toujours possible de recycler quelque chose qu'on a pensé qui était fini. Freddy, c'était pas mal ça. C'était fini là, dans le temps de même Freddy's Dead, là, à la fin. Là, c'est poussé la note, puis c'était de la pure merde, selon moi. Encore une fois, c'est une opinion, mais c'était de la merde. Freddy s'était rendu une joke qui faisait plus peur. Puis sans nécessairement avoir besoin de faire un remake en tant que tel, ils ont été capables de remettre Freddy épeurant, comme tu dis, dans la même franchise. Fait que j'ai retiré cette leçon de Freddy. C'est tellement un beau film. Non, c'est beau ce que tu dis. Tu vois, moi, la morale de l'histoire, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que ça, là, je veux dire, ce film-là, quand tu l'as proposé, j'ai dit OK, mais je suis tellement biaisé parce que, tu sais, j'ai tellement regardé souvent l'original. Puis là, j'avais comme un double feeling en regardant à nouveau ce film-là parce que je me souvenais de l'émotion que j'avais au départ. Puis là, j'arrive là, j'avais un autre regard présentement, puis j'essaie de me faire... Même sur la côte, j'ai eu de la misère. Mais, tu sais, la seule chose que je pourrais dire, peut-être morale d'histoire, c'est fais pas regarder un film d'horreur à ton enfant trop jeune, il va devenir fucké. Oh shit, une grosse araignée sur le mur, je savais que c'était pour arriver, excuse-moi. Donne-moi une seconde, OK? Oui. Que là, je serai plus capable de me concentrer de tout le reste. Ouh.
T'as-tu? Elle est morte. Excuse. J'ai les poils raides, ces bras, man. En tout cas, tu vas avoir du fun à couper, toi. Ah! Alors, est-ce que tu es prête à donner ta cote? Ouais, moi j'ai donné un 3.56 infini. Oh, OK. Moi j'ai changé ma cote 2-3 fois. J'ai donné un 4 sur 5. Ben, t'es plus généreux que moi. Puis pourtant, ouais, je l'ai vraiment aimé, cette fois. Donc toi, tu avais dit 3. 3.56 infini. Moi, ben ouais. Trouble avec ça. Fait que là, est-ce que tu annonces le film de la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va couvrir Candyman. Il joue en ce moment sur Frisson TV. Il joue toujours dans la période d'Halloween, là, en octobre. Donc, allez regarder Candyman, peut-être avant qu'on le couvre, vous allez pouvoir relier. Sinon, ben, peut-être qu'en nous écoutant, vous allez peut-être dire « Ah, mon gars, ça me donne le goût d'aller le regarder puis d'avoir un autre point de vue. » Ben, tant mieux. Donc, Bru, bonne semaine à toi. Bon visionnement de Candyman. On se reparle la semaine prochaine. Alors, salut à tout le monde. Ciao. Ciao.